Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Tezo. Et aujourd'hui c'est une affaire de dragon. Enfin une double affaire de dragon. Et je crois que... une fois que celle-là sera terminée, je devrais relancer le jeu. Depuis le dernier épisode, l'épisode slash theory crafting, slash dragon, slash machin, j'ai pas relancé... Enfin j'ai pas éteint et rallumé Tezo. Donc en gros je vais avoir des pics de lag de ces morts. On est deux. Ça suffit. Allez, faut qu'ils viennent les autres, faut qu'ils viennent. Ah, c'est un dragon électrique. C'est la merde, ça va être long. Et ça marche en tout cas. Ah, là ça va moins marcher déjà. Ça va pas marcher. Vous êtes combien? 1, 2, 1 en vie, 0 en vie. Ah, 1 en vie. Aïe. Je vois une miche, pas d'où elle est venue. On va bien la sauter. Ah, il peut faire ça aussi. Ah d'accord. Sale bête. Quel enfoiré. Il oiseau et il s'envole. Mais quelle enflure. Sale bête. Mais quelle sale bête. On va voir de toute façon si on est que... On est combien? 1, 2, 3, 4. Le dernier, on l'a fait à 10. Je dis pas le bordel. Aïe. Je doutais que j'allais la prendre dans la gueule, celle-là. C'est ce que je vous disais, les lags, c'est un problème de Tezo quand je lance trop longtemps sur mon PC. Et merde. Le oiseau il passe pas. Hein. J'ai consommé je crois 20 trucs à gemmes. Hein. Merdette. Enfin 20 gemmes d'âme. Voilà, pierre d'âme, c'est ça. On y arrive. On est 4, 5. En comptant le mini Hendrick. On est 5. À 5. 5 contre un dragon. On y arrive. Bon, moi je meurs. 6. Enfin, je meurs parce que je suis au corps à corps, moi aussi, débilus. Remonte un peu ta vie, remonte un peu la vie, remonte la vie, remonte ta vie. Il part pas le machin? Ouais, si, il part. J'ai pas eu le temps de balancer l'ulti. Ah ouais, bah y'a trois appels à la foudre qui passaient pas, sinon là ça marchait. Putain, mais ces appels, ces zones de foudre, elles sont horribles sur ces dragons.
Le dragon de la police municipale. La police municipale avec flashball, le dragon et le taser. Enfin, le dragon et le taser, je devrais dire. Mais ça me suit ou quoi? C'est quoi cette merde? Quoi, Thilo? Apparemment, ce dragon connaît un Thilo. Je ne sais pas. Par contre, il n'y a pas à chier cette capacité, là, le lancer de couteau. Faut le garder à distance. Même s'il n'y a pas les dégâts de maladie, etc., ça se garde à distance, ça se joue. Merci. Ah, oh, j'ai pas paré. je prends du dégât, hein, je prends du dégât. Ah, et oiseau encore, et ça va, je survivrai à ce oiseau là, c'est déjà bien. Bonjour. Ça c'est du lézard ça. J'ai l'impression que c'est ça qui fait le plus de dégâts dans mes capacités. J'ai un souci sur les parades, je pars la plupart du temps, mais ça marche pas toujours. Donc là. Il est sur moi ou non? Parce que le dernier, en fait, j'ai passé la... il a passé la partie sur moi. C'est le dernier dragon de foudre que j'ai affronté, il m'en voulait. Pas ce que je l'avais fait, mais il m'en voulait. Je m'en fous si je meurs. Oui, je suis en vie. Et j'ai de la merde. Ah, un homme de défenseur de Senchal. Mais parce que là j'ai beaucoup de merdier de Senchal, je crois. Non, ah non, j'en ai qu'un. Dommage. Appelons chaton. Il est où mon chaton? T'as pas dans les trucs que je t'ai vendu du Senchal peut-être? Anneau du maraudeur, guide de conversation rodien, mallette, 13 ans. Rien du tout. Tant pis. Tant pis, j'aurai pas mon stuff aujourd'hui. Ce qui n'empêche qu'on va partir faire des trucs. Ça, on s'en fout. Ralentissement de trouble 6, j'en ai rien à carrer. Parce que là, ça me fait chier parce que j'ai quoi comme gant hein. Ah, j'ai des gants de city, ça, faut pas que j'aie ça. Récupère le home de Senchal. Ah, c'est le home de la guerre du dragon. Et ça me rajoute quoi si je mets ça? De la santé. Ah, bah, ce sera du Senchal. Tant pis, ce sera du Senchal. On va le garder sous le coude au cas où, mais je vais partir en Senchal. On verra. Ça dépend de ce que je vais dropper. Niveau de champion, j'ai eu un niveau de champion. Tiens, mets ça. Un peu plus de résistance. Ce serait pas du luxe. Regardez-moi, c'est Gun Cities, j'avais des Gun Cities 26. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, sans déconner. Bah les Gun Cities 26, pour la peine, hop, ça dégage. Le reste, on le garde. Par contre, va falloir que je répare du merdier. Je crois qu'il va falloir que je répare. Je sais pas, j'ai fini le fight, j'avais plus de... Bah tu m'étonnes que je sois une chip, j'avais plus d'armure. Ça y est, j'ai compris. J'avais plus d'armure, ça allait. Bon, ça c'est bon déjà. Heureusement qu'il me restait des caisses. Ouais. Ok, je suis un nocturne. Faut que je vois si je reste garde dragon, mais je pense que oui. Il va falloir que je le referme par contre. 82. Envoyé. Merci mon Khajiit.
On peut partir de Senchal ou on peut partir de Rouennais. Avant qu'il y ait notre dragon qui arrive, on est combien? Ah non, il y a où? On s'en fout. Je me dis, ouais, on est nombreux, c'est bizarre. C'est surtout chiant les lags, donc je relance le jeu, à tout de suite. A few moments later. Bon, relais gens, petit contretemps. On m'avait dit que ma potion ne fonctionnerait pas en elsewhere, mais je leur ai encore montré qu'ils avaient tort. Votre concoction? Une recette spéciale. Si vous la buvez, vous verrez et entendrez des choses qui existent au-delà de notre perception ordinaire. C'est une expérience remarquable. On n'a pas goûté à la vie tant qu'on n'a pas entendu le chant des baleines des sables d'elsewhere. Intriguant, qu'est-ce qu'il y a dans votre recette spéciale? Ce qui se fait de mieux, croyez-moi, il y a... bien essayé. Mais je ne vous révélerai pas ma Dommage. Recette secrète. Malheureusement, j'ai égaré mes 3 derniers flacons d'ingrédients. Oh. J'ai dû les perdre en regardant les baleines des sables. Eh ben, le Khajiit se charge de tout. T'as intérêt à payer par contre, Choupette. T'es gentille, t'as l'air très contente. Mais va falloir payer. Ingrédients perdus ? Oh, merci, inconnu ! Je vous promets de préparer une nouvelle dose de potion avec ces ingrédients pour que vous découvriez la joie de ces baleines des sables à votre tour. Les baleines des sables ? C'est quoi ça ? Quel délice ! La plupart des gens me rient au nez lorsque je leur parle des baleines des neiges de bord de ciel et de leur cousine d'elsewhere. On ne les voit que sous l'influence de ma concoction spéciale. Pendant un moment, on les voit voler et on entend leur chant. Qu'est-ce que c'est que cette hallucinogène? Elle a trouvé un hallucinogène, il a l'air puissant. Elles sont invisibles, tes baleines? Oh oui, totalement imperceptibles sans ma concoction spéciale. Lorsqu'on les voit dans toute leur splendeur, lorsqu'on écoute leur magnifique chanson, on ne voit plus le monde de la même manière. Je vous le garantis. Au revoir. Donc déjà, je suis un sans-âme, donc si en plus je suis sans, ça va être très bien, ça va être rigolo. Donc, flacon d'ingrédients, on y va. Sachant que j'ai une quête qui est... Oh, elle est loin, elle est à Shai. Elle est juste à Shai, donc c'est très bien. Ils sont où, ces flacons, à la con? Ah non, c'est celle-là. Ah non, c'est un lysphané. Ah non, c'est juste à côté. Bon, ça va, je peux faire ça. Surtout qu'on vient de faire un boss à deux. D'ailleurs, mon build, là, fonctionne à peu près. C'est de l'à peu près, c'est comme dans Division 2. C'est de l'à peu près. Ça marche, tu sais pas comment, mais ça marche, c'est le principal. C'est que c'est jouable, quoi. J'ai pas des gros dégâts, mais quand je assiste par un autre joueur, ça se passe bien. Sinon, contre les pinches classiques, ça se passe très bien. Contre les petits trucs, les petites merdouilles par-ci par-là. Merde. Contre les trucs comme ça, faut que je fasse gaffe à ma vie, mais c'est tout. Par contre, j'ai aussi une couille de micro-lag, je sais pas d'où ça vient. C'est juste excessivement chiant. Ah d'accord. Bon ben, redescendons. L'herche de Canarty. C'est Canarty, hein. C'est un canard, mais qui a du ti. C'est un Canarty. Chaud. Ça y est, le Canarty chaud est arrivé. C'est pas Zoro est arrivé, c'est Canarty chaud est arrivé. Ça m'annonce pressé. Je chante excessivement mal, je le sais. Et elle est où cette dernière fiole de merdier là? De merdier hallucinogène. Voyons s'il y a un indice en regardant la fiole. Y'a pas d'indice, par nous. Y'a une plante qui m'en veut. Y'a des gens qui m'en veulent. Aïe. Excuse-moi madame, j'ai des gens qui m'en veulent. Bah d'ailleurs c'est l'occasion. C'était l'occasion. Tant pis. En général, je prends davantage soin de mes ingrédients spéciaux. Mais lorsque la première baleine des sables est passée au-dessus de moi, j'ai tout oublié. Avez-vous trouvé mes flacons? J'ai trouvé les flacons, mais il reste pas grand-chose. Voyez-vous cool. Ça. Pas étonnant cool. Que je les ai égarés. Ma dernière mixture devait être particulièrement puissante. Je suis navrée et étrange, mais je ne pourrais pas en faire assez pour que vous puissiez voir les baleines des sables. Oh, le troll. Oh, je suis déçu. C'était plutôt ceci.
Oh là, je suis déçu. Si vous venez un jour à bord de ciel, passez me voir. Je garderai assez de ma concoction pour vous en donner la prochaine fois. Ah. J'essaierai. Et où vous allez partir, Vigwen? Je comptais partir pour Martelfell. Je retiens. Il paraît qu'en plus des baleines des sables, ils ont des mammouths du ciel qui broutent les nuages au-dessus de Sentinelle. Je veux vraiment voir ça. Hélas, sans ma concoction spéciale, je ne verrai rien du tout. Et tu peux plus en fabriquer? Si, bien sûr. Je finirai par y arriver. Mais pas sans mes ingrédients spéciaux. Et pour en obtenir davantage, je dois rentrer à bord de ciel. Il y a une caverne qui descend au cœur de la terre où... Oh, bonté du ciel! J'ai failli recommencer. Il faut vraiment que j'apprenne à me taire. Au revoir! Oh, cette choupette. Oh, elle est magnifique, celle-là. Ouais, elle est magnifique, elle fait que des bourdes. Dommage. Il m'en manque un, Senchal. C'est les bottes qui me manquent. Sors-moi Maurice. Il est où, Maurice? Maurice. Palette de dragon. Bâton de rétablissement en freine. La grève, on la garde. L'anneau de Senchal, on le garde. Ça, on le garde. Ça, on le garde. Ça, hop. Ça, on s'en fout. J'ai une tapisserie de Jarro là-dedans. Mais bordel. Bon, bah la quête de la petite nordique, c'est fait. Maintenant, il me reste une autre quête à faire. C'est où? Voilà, planter l'hélice fanée. Mais ça, je vais pas vous faire chier avec. C'est une quête répétable. C'est du classique. C'est pour avoir mon stuf. Donc, oui, c'est vrai, on est là. Oh, mais j'ai pas pris le loup-garou. Donc, tant pis. Donc, les gens, à la prochaine. Enfin, à la prochaine, pardon. À tout de suite. À dans... Allez, moi, ça me prend un petit quart d'heure. Le temps de planter 3 lys. Et je reviens à la tour de guet. Enfin, on ira à la tour de guet ensemble, bien sûr, vu que je suis habillé pour. Bon, en longeant la côte, je suis pas excessivement loin de mes trucs, là, de mes lys à planter. Et donc, j'ai une très mauvaise idée. Je suis sûr que ça passe. Pas du tout. Aïe. Ça passait pas. Bon, tant pis. One eternity later. Bon, ça y est, ça a été un petit peu plus long que prévu, surtout parce que j'ai eu un souci de type Pinge qui te stun en non-stop et que ça casse les couilles. Mais j'ai réussi à planter les 3 lys. Et voici que le héros conquérant revient. Décidément, Guibert sait vraiment les choisir. Mais bon, je parle... Cafetière. Le boulot est terminé, oui. Oui, j'ai planté l'hélice dans la crique lunaire. Excellent. J'aime toujours ces moments inattendus où on mesure le succès en fleurs plantées et pas en crâne fondu. Il y a les deux, surtout le mien. Voici votre récompense, mon ami. Dépensez-la sagement. Merci. Vous cherchez encore plus. Non, ça c'est le même dialogue qui sort en non-stop. Écharpe de la du maraudeur. Ah, c'est dommage. On y était presque. Le sang et la sueur. Ça me rappelle l'époque où j'étais aventurier. Vous avez accompli ma mission, oui? Le gardien est mort, vive le gardien et la poussière! Juste à temps. L'un des mages est venu aux nouvelles. Il affirme que la poussière peut révéler des visions du passé. Pourquoi pas? La boit dans une potion. Pourquoi pas? Je pense qu'il a déjà trop bu. Je suis d'accord avec toi. Voici votre récompense. Bah merci. Vous avez bien agi, oui? Bah, revenez demain, oui, je sais. 74 000 par contre c'est rentable. C'est rentable mais qu'au niveau XP en fait. Parce qu'en garde dragon d'élite j'ai quoi? Parce que j'ai ça. J'ai ça. Il m'en manquerait 1, 2, 3, 4. Non ça irait pas. Ça irait pas. Ça je peux le remplacer d'office en fait. Ah comme ça je récupère deux bonus, je récupère du critique physique. Pourquoi pas? Et là je suis à 5 et là je suis à 4. Ouais ça fait du Senchal. Donc malheureusement j'aurai pas le bonus Senchal pour cette fois, tant pis. On verra plus tard. Qu'est-ce qu'elle veut en fait l'autre Khajiit là?
Venez vite, Rook. Le sud d'Elsewhere ne se calme jamais très longtemps. Nouvelle journée, nouvelles aventures. Que les lunes vous guident. Au revoir. Oui, marchand. Serait marchand, quand même, serait bien. Tiens-toi. Qu'est-ce que j'ai à vendre? Ceinture en pot de fer. Les anneaux de garde dragon. On va les garder de côté au cas où. Parce qu'après, attends, juste une simple curiosité pardon, de ma part. Parce que si je garde le Senchal, donc j'ai... Le problème, c'est que je peux pas changer ça, hein, ça fait chier. Donc pour le, il faudrait qu'en garde dragon, je mette donc les trois bijoux. La ceinture. Et la cuirasse. La cuirasse, je l'ai. La ceinture, je l'ai pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, ça se pourrait. Ce serait peut-être plus fiable. Ah non, je peux pas. Allez, je peux pas. Non, ça marchera pas. Ça marchera pas, tant pis. Tant pis, parce que non, j'ai pas vu que j'ai pas tilté que j'avais une Senchal à la mauvaise place. Tant pis. Donc, récupérons de la place d'inventaire en décraftant un peu de merdier. Et après, on va régler notre affaire. Notre affaire de dragon. Parce qu'il y a un peu notre dragon qui est parti se friter avec l'autre il y a 8 jours. Enfin, il y a 8 jours, non, j'exagère à peine. Mais bon, il est parti se friter avec l'autre. Normalement, le combat, il attend pas. Mais bon, apparemment, ils nous attendent. Bâton, j'ai quoi? 1144. 1750 pour 327 de magie. 2000 de magie pour... ouais, bah, je vais garder celui-là. Celui-là, c'est de la merde. Au revoir. Un rubis. Putain, pour un rubis, t'es sérieux? Non, là, j'ai rien. Là. Ça, je peux le dégager. Et ça, on va le garder. Si jamais, je vais peut-être avoir le stuff ultime par un coup de chance. Et un couture. Le home du garde dragon. Je peux rien des craft. Je suis à combien? 93. Quelque chose qui va pas. Et un truc qui va pas, j'étais à 78. Votre vie vous semble triste ? Ah oui, le maraudeur, faut que je dégage le maraudeur. Diamant, eau purifiée, encens. Non, l'encens, rachète. Rachète l'encens, vite. Merci. Le calcium, le mobilène, le rubis, le sang séché. J'ai des bestioles dans le meuble juste derrière le PC qui me font chier. Que je vais finir par faire des trous dans le mur pour les chasser. Oui, quand... Ah, j'ai cette merde. Ça sera en où, ça? Je crois que ça sera au palais. En fait. Et le palais est à ma gauche. Oui, le palais, oui. Non, mais quand on est con. Le garde de la banque. T'as pas envie de la braquer. Quoi? Au moins, il a pas pris une flèche dans le genou, c'est bien. Ça, c'était dans un quiz topito, d'ailleurs, il y avait une question. Et dans les réponses, il y avait « Tu t'es pris une flèche dans le genou avec une photo d'un pin de Skyrim ?» J'avais trouvé ça assez... Enfin, presque miraculeux, en fait. Merde, c'est où? C'est où? C'est où, cette merde? C'est... Je suis sûr que c'est dans ce palais, en plus. Ah, oui. Mais oui, bah, j'en étais pas loin, hein. Mais justement, j'ai quelques pièces. Oula, il m'en manque une chier. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque une petite dizaine, quoi. Ça va pas être chiant du tout. Oui, la deuxième tapisserie, je l'ai trouvée au pif. Quand je suis monté sur ma tour, que j'ai sauté là. Alors, le moment où j'ai tenté d'atteindre l'eau, ça n'a pas marché.
C'était là. C'est tout à l'ouest. Repère des voleurs maintenant. Hop. Oui, je fais monter le suspense. Je le fais exprès. Faites-moi pas chier. L'épisode, il va encore durer 8 ans. Ça va me faire chier à monter. Ça va être quasi impossible. Parce que j'ai une couille sur mon logiciel de montage qui me gonfle. En gros, c'est j'utilise DaVinci Resolve pour le montage. Après, c'est pas réellement du montage. Ce que je fais, c'est plutôt du pif. Et c'est... De toute façon, je suis pas bon en montage. Tout ce qui est montage, création, etc. Je suis vraiment mauvais. Donc je fais au mieux avec mes capacités artistiques dégueulasses. Bonjour, oui, bonjour. Je suis passé il y a 8 ans. Merde, c'est où? Je suis perdu. Ah ben, c'est pas du tout là. Et donc c'est DaVinci Resolve qui est en version gratuite, qui propose pas mal de choses. Donc quelques trucs très intéressants qui sont un peu plus développés que sur... comment ça s'appelle? Adobe machin, l'Adobe, je sais plus comment il s'appelle. Le truc Adobe quoi. Et il est beaucoup plus simple à utiliser, il y a pas mal d'options, il y a tout ce qu'il faut. Sauf que de temps en temps, sur un rendu excessivement long, ça plante. Donc faut bien penser à bien sauvegarder son montage, parce que moi j'ai déjà fait la couille sur le montage du Nouvel An. J'avais fait un beau montage, un truc qui me plaisait bien. J'ai foiré, le truc j'ai oublié d'enregistrer, le truc il a planté, j'ai refait un montage à l'arrache absolue. J'ai été dégoûté. C'est-à-dire que... 2h du matin. Donc j'avoue que j'en avais marre. Mais ben, en gros je disais que j'avais fini à 2h du matin, que j'en avais un peu plein de cul. Donc j'ai un peu arrêté. Pas un receleur qui traîne par là. Voilà. Parfait. Vous m'amenez. Ouais, je t'amène du merdier. Trésor, 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 trésor. Tiens. Voilà. T'as des trésors. Et là, je suis à 81. C'est déjà bien. On va régler un petit peu les raccourcis. Raccourcis, voilà. Donc ça, on s'en fout. Il va me falloir... potion. On va mettre celle-ci. Et est-ce que je peux extraire du merdier? Bonjour et bonne fortune à vous. Non, on est bon. Portez-vous bien. Les caisses, ce sera à la fin de l'épisode. Oui, parce que si je fais pas quelque chose à la fin de l'épisode, bien sûr, il y a personne qui va rester. Ce que je comprends aussi. Donc je mets des caisses à la fin de l'épisode maintenant. Non. Surtout que j'en ai plein. Merci les promotions de Noël. C'est grâce aux promotions de Noël que j'en ai plein. Oh, j'en referai de temps en temps. Mais là, c'est vrai que j'ai beaucoup d'épisodes d'avance. Je crois que j'en suis à mon 5e épisode d'avance de Tezo. Va falloir que je tourne sur un autre jeu. Mais c'est vrai que c'est intéressant pour moi, en étant passé niveau 50, de tourner du Tezo. On est prêt? Je crois qu'on est prêt. Ouais, je suis pas loin. Je vais me perdre, mais je suis pas loin. Et à ce rythme-là, il va falloir que je relance le PC, par contre, pour les micro-lags que j'ai. Et il va falloir que je fasse un truc, ça c'est sûr. On raconte aux alentours de Flandrug que vous avez remis le baron Soric à sa place. Vous ne méritez que ça. Ah, c'est mieux. C'est mieux. Merde. Celle-là, je m'y attendais pas. Mais pas du tout. Non, mais je viens de faire le même. Je viens de faire un demi-tour de débilus. La manœuvre que je viens d'effectuer, le demi-tour débilus, qui te renvoie à l'autre bout de la ville parce que tu as pas voulu prendre la prochaine à droite et que tu as pris la première à gauche. Vous êtes qui, vous? Personne ne dit bonjour? Malpoli. Je comprends que vous vivez dans un endroit dégueulasse. Bien le bonjour. Ah, merci. Non, je peux pas le déconcentrer de son lancer de dés. C'est vrai que Saint-Charles c'est quand même ultra glauque. Avec les ruines qu'il y a autour, le merdier et les bestioles. Oh, les bestioles sauvages, c'est bord de ciel, enfin. Sirodier, c'est Sirodier. C'est quand même glauque, Saint-Charles. Tout ça à cause de la peste Nahaten. Et je sais même pas comment elle est arrivée d'ailleurs. Il y a eu je ne sais combien de missions dessus, qui expliquent beaucoup de choses sur la peste Nahaten.
avec par exemple les Khajiits qui ont essayé de s'exfiltrer de, d'Elsewhere pour aller par exemple dans le Marais Noir. Qui ont été isolés, ils s'en sont pris plein la gueule. Pas que dans le Marais Noir, mais dans les zones comme ça, ils s'en sont pris un peu plein la gueule. En essayant de se sauver la vie. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait du bruit. Juste un poulet. Voilà. Je voulais juste un poulet. Bon, j'ai toujours des pointes de lag de ces morts, mais bon, on va essayer. Faisons fi de l'adversité et passons. Allons chercher nos dragons. Excusez-moi. Hein. Aïe, aïe. Il dit, il me mangeait pas, bande de saloperie. Bonjour. Quelqu'un par ici? Non mais barre-toi. Barre-toi. Excuse-moi, hein, j'ai un petit souci. La félicitation à eux hein, d'avoir de s'être frité avec un dra-dra. Moi je me fous avec un léopard qui me gonfle. C'est bon? Ah mais il y en a encore un, mais... Saloperie. Il y a des cadavres de léopard à côté. Ah, c'est pas le même. Personne ne peut me parler? Bien le bonjour. Eh bien. Et c'est qui ce dragon? Y a pas un truc comme ça? C'est Hammer quelque chose? Mets-toi bien. Je peux pas me placer bien, fais chier. Je voudrais faire une capture d'écran en fait avec ça. Non mais ça va pas, ça passe pas, il y a une espèce de hitbox dégueulasse autour et je peux pas m'en approcher. On prendra un autre dragon en vrai. Bon, Casca, qu'est-ce que vous avez fait? La Falar a eu de la chance que nous arrivions aussi vite. Il était encerclé par au moins 5 autres dragons, mais ils se sont enfuis lorsque nous avons abattu les bébés. Ces Adji. Non. Je dirais bien que je suis fier de lui. Mais ce n'était sans doute qu'un coup de chance. Et Nafalar, il a été blessé? Je ne sais pas. Il se bat avec la fureur d'un Sanche blessé. Mais c'est peut-être une habitude. Mais malgré sa confiance, même Nafalar ne pourra pas résister longtemps à une telle adversité. Oui, je veux bien sauver mon dragon. Mais là, quand même... Nafalar et ses ennemis ont disparu, mais la tour pourrait nous offrir un meilleur point de vue. Zadji s'y trouve déjà. Il a peut-être vu par où ils sont partis. Il faut que j'aille il faut que j'aille féliciter mon pirate Froussard. Ça va? Ça va le bouclier? T'es bien. Putain, le pirate Froussard qui se bat jamais, qui a abattu un dragon. Félicitations, Mazadji. Vous avez vu le cadavre, marcheur? Un dragon. Ah bah ouais. Tué un vrai dragon. Tu vois qu'à 10, nous, on s'est fait chier. Les chantes lunes raconteront nos aventures pour les générations à venir. Ah bah ouais. Zadji, le tueur de dragons et ses héroïques. Ouais, c'est bien, mais il y a un truc un peu plus urgent. Nafalar, il est où? Pas depuis son passage. À dire vrai, la situation n'était pas bonne pour notre ami Aekai. Il était poursuivi par un vol entier de dragons. Ouais. Je n'ai pas l'impression que l'Advulon veuille se battre à la loyale. Oui, non, c'est une raclure, l'Advulon, on le sait très bien. Il a buté un de ses frères pour le faire revenir à la vie, grâce à des cristaux verts à la con. Donc bon. Passons, de quel côté ils sont partis? Je les ai perdus de vue. Quoi? Ils sont rapides et bruyants. Je sursaute chaque fois qu'ils crient. Vous croyez que ça ne fait ça qu'à moi? Oh, attendez, je crois qu'il revient. Quoi? Où ça? Où ça? Attends. Pose mon merdier. Vite, je vais mourir comme une merde. Ah merde, je croyais que ça passait. Oups. Vite. J'ai fait trop vite. Je sais reconnaître une chasse quand j'envoie une marcheur. Trouvez Nafalar avant qu'il ne l'écrase. Vite. C'est où? Attends, je peux y aller plus vite qu'à pied? Merde. Non, je gagnerai pas de temps. Vite. Vite. Assez vite. S'il faut, je couperai un petit morceau au montage, je ferai un timelapse. Je sais pas. Mais vite. Pauvre dragon, vu le merdier que c'est.
Aïe. Moi, je suis en train de me péter les jambes. Le Khajiit, il va arriver sur le champ de bataille, il n'y aura plus rien. C'est le Khajiit, il sera mourant, tu vois. 4 fractures ouvertes, plus de côtes, plus rien. Mais il sera là. Et là, un dragon. Merde. Il y a un dragon de glace, celui qui était au-dessus. Non, ça va. C'est bon, ça passe, ça passe. Taïo, 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 ferme ta gueule, répondit l'écho. C'est un champ de montagne. Après, il y a la chanson montagnarde, c'est Taïo, 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 ferme ta gueule, répondit l'écho. Il y a la... Oula, bonjour. Mais fais gaffe, toi. Bah, il... bah d'accord, il est devant, ok. D'accord, le merde. Merde. Aïe. D'accord, le cheval, il passe par-dessus le pont. Aïe. Comment j'ai remonté? Mais je me suis foutu dans une merde sans fin, moi. Regardez les dragons passer, c'est pas une bonne idée. Heureusement que dans Harry Potter, ils sont moins cons que moi, sinon ils seraient déjà morts depuis longtemps. Harry Potter, je peux citer tous les films avec les dragons que je connais, hein. Il y en a quelques-uns. Regardez, dessus les ruines. Notre combat s'achève ici, mon frère. Non mais descends. Ah merde. Nous devons entrer dans la porte. Quoi? Mais comment tu sais? Comment il sait? Bah, il est pas mort, si? Il bute Nafala? Fais chier. Sans bonjour. Soutien militaire, nous ne pouvons pas poser. Excuse-moi. Tant que la garde du dragon est là. C'est bon, t'as fini de poser? Possible. Vite, toi, tu dis quoi? Pourquoi Nafalar ne nous a-t-il pas attendu? Nous aurions pu l'aider. Mais il est peut-être pas mort. Mais arrêtez de l'enterrer, les mecs, sans déconner. Malgré mon grade, j'obéirai au capitaine Saïsan dans ce combat. Vous devriez lui parler de la suite des événements. Oui, bah oui, il est un peu qualifié pour ça. À cause de la fierté de ce dragon. Mais s'il avait battu avec nous, on dirait que nous n'avons pas d'autre choix. Il faut aller sauver le monstre. Attendez, ta gueule. Il y a un truc. Prenons un film genre Dunkerque. Il y a des avions, ça vole pareil. Il y a un combat, pareil. À un moment, il y a un mec, Dunkerque Spitfire, il y a un mec avec son avion, et là-bas un autre avion. Le mec s'écrase. Il est peut-être pas mort. Peut-être gravement blessé, mourant, mais il est peut-être pas mort. On est dans tes os. Si t'es mourant, tu sors un bâton, wololo, t'es en vie. Tes os. Donc là, arrêtez de dire qu'il est mort le machin. Je sais qu'il sera sûrement mort. Mais sans avoir la confirmation, bordel. Prends le pouls, je sais pas. Mais confirme. Non, là, c'est trop rapide. Désolé, c'est bâclé. Je suis avec vous, mais et les autres? Je sais même plus ce qu'il disait. Pour occuper les adeptes. Ça devrait nous laisser le temps de rejoindre Nafalar. Voilà, mais... Par là, l'âme de Leki. J'espère qu'il est encore en vie. Voilà, bah merci. J'ai du mal à prendre la forteresse sans lui. Merci. Enfin. Parce que tous les autres, ils sont en train de l'enterrer. Lui, il espère qu'il est encore en vie. C'est mieux. C'est fort. Des rapports de l'ordre de nouvelle. La secte se rassemble autour de la je suis en train de ça, c'est pas en couille. Pour le renforcer à l'aide de la pierre des éones. Encore un avantage qu'ils ont sur nos forces. Tu pourrais me battre. Nous y voilà, mon ami. L'occasion de je vais prendre mon loup-garou. De montrer que la garde du dragon protège encore les habitants de ce monde. D'accord. Partez devant et trouvez-nous un chemin. Je vous rejoins bientôt. D'accord, donc c'est moi qui vais tout faire, comme d'habitude. Allez vous faire foutre, les mecs. Sans déconner, allez-vous faire foutre. Je ne dirai rien d'autre. Puisqu'à chaque fois, c'est moi qui fais tout, j'en ai marre. Hop, voilà, prends le loup-garou. Ne craignez rien, Zadji, le tueur de dragons est arrivé. Zadji. Ça va vite devenir... C'est notre dernier. Ah, Casca. Voyons. J'ai passé toute ma vie à me battre. Heureusement que je suis pas parti tout de suite. La gloire, le plaisir. Mais à présent... Je me bats pour quelque chose de plus grand que cela. Maintenant, je me bats pour mon peuple, mon foyer. Si je meurs aujourd'hui, ce sera avec du sang sur les crocs et la rage aux griffes. Vous pensez que nous risquons de perdre? Dans Kirgo le Noir, plus le risque est grand, plus la récompense l'est aussi. C'est aussi le cas ici, marcheur. Si nous gagnons, nous sauvons mon peuple d'une destruction totale.
Et nous jouons notre vie, cela ne fait aucun doute. Zadji, vous avez déjà battu un Dradra. J'admets que ce fut une grande satisfaction. Surtout qu'Abnur n'est pas là, donc on n'a pas le bouclier. Que le sang de dragon soit si chaud. J'ai failli me brûler la langue en égorgeant cette bête. Ben ouais. Un conseil. Oui, non, t'es un chat, je sais, t'es invaincu, mais t'as un conseil au cas où. Un seul. Oui. Ah mais merde, j'aurais pas pu rêver une meilleure réponse. C'est éviter de mourir. Bah oui, je sais pas gagner. C'est pas gagné, je peux vous dire que c'est. C'est notre dernier combat? Oui. Quelle chance pour vous que je sois là. Vous avez l'air plus confiant que d'habitude, Zadji. Il va fuir. Je veux simplement vous montrer à quel point je serai utile pour le combat. Il va se barrer dans un coin. Je suis un tueur de dragons expérimenté maintenant. Mais où est notre balise? On en a pas. Ah, pas de balise. Bon, un trébuchet peut-être. Ou une catapulte. Ou au moins un très gros arc. On a ce qu'on a. Fais avec, s'il te plaît. Alors, je devrais peut-être retourner à la... J'en étais sûr. La garde du dragon a besoin de toi ici. Même si j'en étais sûr. Oui, c'est vrai. Dans ce cas, je vais combattre. Pour elsewhere. Pour la garde du dragon. Pour mes amis. Même si je suis terrifié. Ouais, mais ça va. J'aimerais vous faire une demande, marcheur. Quelle demande? Si je meurs, rapportez mon cadavre. Il va mourir. Si je dois c'est de plus en plus sûr. Et me rendre dans les sables derrière les étoiles. Non, meurs pas. Je préfère que ce soit ma mère qui m'envoie en voyage. C'est une experte dans la matière, après tout. Bah ouais, je comprends. Je suis tout à fait d'accord. Je retourne le compliment. Bon, Taïo, sauvant le dragon. Mais avant, une dague en galactique. Est-ce que vous avez des trucs à vendre, les mecs? Bonjour. Je suis pas tout seul. Fais chier, je veux mon donjon en solo. Je veux mes cinématiques. Ah, mais non. Voilà, il y a un truc à faire. Là, il y a un plan à faire. Je sais pas ce que j'ai pris. Là, il y a un plan à faire. Attendez, c'est quel bouton? Je vais me prendre un mur. Ah, ça fait un joli plan avec le chat qui marche derrière. Non mais arrête de jouer avec ta dague, tu me gâches mes plans, foiré de cagite. Casse la gueule en plus. Bon, je vais jouer sans l'interface, je vais m'en prendre plein la gueule. Ça va foirer. Ah là, je passe peut-être en solo. La caverne, il y a quelque chose dans ces couleurs, marcheur. En bas, au milieu des vieilles racines, de pierre du destin, énorme, puissant, haine, démon, cage, aspire, liberté, jamais les pieds, même pour les joyaux de Pelletine. Voilà, j'ai tout lu. Restez sur le qui-vive, nous ignorons ce qui rôde dans ces cavernes. Ah, j'ai trouvé, merde, j'ai trouvé le remettre, je veux parler à Saïssa. Par la lame de l'équi, j'espère que Nafalar est encore ici. Hop. Drama. Pour le drama. Ça va être long. Je vous préviens, ça va être excessivement long. Il n'y a pas de timing. Non, ça va. Ah, c'est le drama. Moi, je veux le jouer au drama. Pour une fois que je peux. Pour une fois que j'ai l'idée. À la con. Mais l'idée. Bon, il y a une chance sur deux pour que je pète un plomb, que je parte en courant comme un dératé. Non mais arrête de jouer avec ta dague toi, t'es chiant là. Je sais que tu te fais chier, moi aussi, mais bon. Faut le faire au drama. Arrête de jouer avec ta dague. Ce youtubeur s'engueule avec son cagit. Voyons si nous pouvons le rejoindre. Oui, je peux. Merde, ça passe pas. Oh, j'aurais tellement aimé que ça passe. Oh, j'aurais tellement aimé de pouvoir sauter et mourir comme une merde en bas, ça aurait été tellement magnifique. Ouais, pour le scénario, ça aurait été sublime. Ah, il a envie, il bouge. Vite, il bouge. Vite. Sauvons le lézard. Un chat sauve un lézard. Vite. Attendez un peu. Quoi? Cette tablette porte un message. Oui. Ah, merde, je vais être obligé de remettre l'interface. Attends, il y a de la bête noire. Par le pouvoir du masque divin et de sa lumière sacrée, vous découvrez la bête noire et notre périlleuse lutte. Utilisez le masque pour voir nos histoires. Au jour au feu sacré, le chemin s'ouvrira vers le gouffre de l'AEC. Donc, va falloir que je mette le masque. C'est tortueuse. La tablette semble nous dire comment avancer. Machin est mourant.
Faut pas y aller? Ah mais non, mais putain, mais c'est un labyrinthe à la con. Que le fort de la pierre du destin cache bien des secrets. Oh les casse-couilles. Cette inscription oh les religieux. De la lumière avec un masque divin. Et j'imagine qu'il est question du masque d'Alcoche. Bah oui. La fierté d'Alcoche aurait-elle occupé cette forteresse? Oui. Un combat contre une bête noire, ça doit être Alduin, ça. Alduin qui a été vaincu, je crois, par justement des prêtres d'Alcoche qui l'ont renvoyé dans le temps. Il y a un truc comme ça, où je sais plus, mais il y a une histoire de voyage dans le temps avec Alduin, ça c'est... Je me rappelle plus. Mais je sais qu'Alduin a été renvoyé dans le temps avant de revenir à l'époque de Skyrim. Combat bête noire. Oui, la bête noire. L'un des plus grands adversaires de la garde du dragon. Ouais, bah c'est ça. Un dragon très puissant. C'est Alduin. Ce qui indique que cette inscription est l'œuvre de la garde du dragon. Mais que faisions-nous ici? La garde du dragon et la fierté d'Alcoche. Je m'avance. Beaucoup, en disant qu'il y a peut-être un lien entre les deux. Nous allons vite en besogne. Nous devons trouver Nafalar avant tout. Bah oui! D'après cette inscription, ça fait 3 heures qu'on parle. Le masque peut parfois servir à allumer des feux. Cherchez Brasero, des torches éteintes. Ok. Torche éteinte. D'accord, vite, Tayo. Torche éteinte, Brasero. Brasero, voilà. Il y a une flèche. Voyons si le masque réagit à ce Brasero. D'accord. Putain, j'ai ça dans la poche quand même. Peut-être la bête noire qui affronte la garde du dragon. On dirait qu'une guerrière qu'agite les commandes. C'était peut-être un membre de la fierté d'Alcoche. Non mais tu me caches ma miniature. Barbu, dégage. Le barbu, casse-toi. Ah oui. Hop. Voilà. Je fais ma miniature, moi. Je fais mes miniatures en jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? Un fouettos? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce saloperie? Ah, mais c'est les trucs de l'autre, ça! C'est les trucs de débilus, ça, je crois. Truc allumé. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi ici? Qu'est-ce que... Robert. Deuxième fresque. Troisième fresque. Quatrième fresque. Oh, ça va être long. Oh, ça va être long. C'est parfait. C'est parfait. Je dois sauver mon lézard, mais ça va prendre 8 ans. Bon, t'as quelque chose à dire, toi? Merde, c'est loupé. Cette guerrière qu'agite, elle portait le masque d'Alcoche comme vous. Pourrait-il s'agir de Jadari? Oui, c'est un petit peu l'explication. C'était soit ça, soit... comment il s'appelle celui de Lord Elsewhere. L'autre héros qu'agite qui a enfermé les dragons. Coucou. Les marches, c'est excessivement long. Moi aussi j'ai un arc, moi aussi j'ai un arc. Moi aussi j'ai un arc. Oh, je vais mourir là. Je fais plus de dégâts avec mes épées. Mais tout à l'heure, je sais pas comment j'ai fait. Avec ce stuff. À un truc près, je crois que j'avais pas les deux. Les deux trucs de Senchal. J'ai one shot. Des oiseaux terreurs. Non mais Saïsan, tu peux avancer. Je sais que je fais pour le drama, mais quand même. Toi, tu peux avancer. Le drama est total. Oh, il y a un dragon. Bon. Enfin, remets-toi à courir, ça m'ira mieux pour les fights quand même. Je rapproche un peu la caméra. Je réveille un Khajiit mort. Merci, au revoir. Voyons voir. Ok, donc... Ah, mais c'est Nafalar, ça. Certains, c'est Nafalar et Jadari qui se sont associés. Je suis sûr c'est eux. C'est Nafalar, là. Ouais, c'était sûr. Jadari lui propose le masque d'Alcoche, mais il refuse.
cela semble symboliser quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Hein? Oui, ben quoi. Trouver les autres bras zéro. Oui, rallumer la flamme, ouais, je sais, merci. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Pourquoi pas? Bon, courons un peu, parce que ça va être excessivement long et en long. Une araignée! Ouais, il fallait. Désolé, j'aime pas les araignées. Et donc, machin a été arrêté par les... Bah, c'est... la Dvillon. Et ça, c'est les boucliers... Ça a l'air d'être les boucliers de Senchal, ça, hein, au costard. Par la lame de l'Eki, je comprends. La bête noire, c'est la Dvillon. La garde du dragon l'a enfermée. Mais il est bleu. Et cela a coûté la vie à Jadari. Et Nafalar n'est pas là. Mais il est bleu. Il est pas noir. Qu'est-ce que c'est cette merde? Jadari a rejoint la garde du dragon pour abattre un terrifiant dragon. Regardez les deux débiles derrière. La fierté d'Alkosh l'appelait le démon de l'Est, tandis que la garde d'accord. du dragon l'appelait la bête noire. D'accord. Mais son véritable nom, elle l'a vu l'homme. D'accord. Donc c'est la vu l'homme depuis le début. C'était moi je suis beau dehors que c'est machin. Et c'est pas machin, c'est machin. Bon. En tout cas, il y avait quand même une tapisserie qui représentait Jadari avec le masque d'Alkosh. Précisément. Elle avait sans doute besoin du pouvoir du masque pour vaincre la Dvillon. Mais elle en est morte. Jadari et la garde. Je suis un sans âme. M'en fous. Un autre allié, Nafalar. Il leur a donné sa corne pour affronter la Dvillon. Mais il a aussi refusé quelque chose à Jadari. Ou alors il regardait derrière lui parce qu'il y avait un truc qui arrivait. Je sais pas, je suis Baudor aussi, mais bon, c'est. Après, ce serait con de représenter un mec qui se retourne parce qu'il a entendu un bruit sur un truc qui met des années à être cousu. Je sais pas, ou être peint, je sais pas, ce serait un peu bizarre. Bon, en tout cas, c'est en rapport avec le masque d'Alkosh, ça c'est sûr. Puis le dernier combat, Jadari est morte. Oui. La garde du dragon a pu piéger la Dvillon. Oui, ça je suis d'accord. Pendant des siècles, il resta enfermé sous cette forteresse, jusqu'à son évasion. À cause de Nunur. Il mène à la bataille du jour. Lieutenant du camp. Pas de Lucifer, hein. Je parle du vrai lieutenant du camp, Abnur Tarn. Ce mec qui te prend pour une merde d'un bout à l'autre du jeu, et qui fout la merde non-stop. En tout cas, Nafalar pourrait nous en dire davantage s'il n'était pas mort. J'aimerais savoir comment Jadari a pu utiliser le masque d'Alkosh contre la Dvillon. Mais je pense que Nafalar doit avoir une idée sur la question. Nous devrions poursuivre notre recherche. Au revoir. Bon, après, moi, si j'ai loupé des quêtes secondaires, ça me ferait pas plus chier que ça. Parce que, bon. S'il y a Nafalar à la fin, j'ai tout gagné. Drama. Obligé. Hein? Et, ah non, ça va. Je fais une coupure bizarre. Merde. Sourd. Là, je vois une coupure bizarre. Vite! Rattrapez-les! Ça va? T'as l'air en mauvais état. Voyons, attends, qu'est-ce que je peux faire? Tu saignes quelque part? Non, ils ont pas mis de sang, bien sûr. Tu sais pas où il est blessé. Non, ça va, il roussit un peu le poil. Ah, ça va, tu vas t'en sortir. Merde, au secours. Au secours. Moi par contre je suis pas sûr. Allez, au secours. Attends, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça comme ça? Attendez, j'ai peut-être une idée. J'ai une idée de miniature. Hop. Est-ce que ça se voit? Oh, ça fait pas... C'est pas assez triste. Merde, slash. Hop. Ah, parfait. C'est parfait. Ah, c'est parfait, merci. Ah, nickel, le drama. Pour le drama. Ah, ta gueule, maintenant. Jadari. Non. C'est vous, chasseur. Des eaux. Le temps me paraît fou. Oui, il est mal en point. Comme avant. Je sens la malveillance glaciale de la Dvillon qui imprègne cette chambre. C'était donc sa prison, j'imagine. Et maintenant, il a fait en sorte que cela devienne ma tombe. Bon, attends, mais... Je suis un sans âme, j'ai rien d'autre à dire. T'as quelqu'un que tu connais, même si c'est pas ton ami, qui est en train de crever devant toi, tu vas lui demander si tu peux faire quelque chose.
Tu vas pas dire, nous en avons appris davantage sur Jadari, elle a combattu la Dulon avec la garde du dragon. Oui. Je lui ai donné ma corne, mais cela n'a pas suffi. Alors elle me demanda de prêter mon énergie au masque d'Alcoche afin de tuer la Dulon et de mettre fin à son règne de terreur. Je m'y suis refusé. D'accord, c'est ça qu'il a refusé. Nous après, mettre son énergie dans... Mais Jadari, il laissa la vie. Jadari, vous avez demandé de prêter son énergie, votre énergie au masque. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut deux volontés pour éveiller le masque. L'une est un champion de la fierté d'Alcoche, un guerrier qui s'est montré digne de la puissance du masque. L'autre doit être un des miens, un dragon. D'accord, donc j'ai le masque d'Alcoche, j'ai prouvé ma valeur face aux salles de la haute crinière. Quoi? Oh merde, il m'a sacrifié, fais chier. Le dieu dragon. Ah merde. Ah, je vais regretter de t'avoir fait toutes les quêtes. Aussi les ordres d'un roi nous condamnent-ils? Je ne vous abandonnerai pas comme j'ai abandonné Jadari. Eh, il va sacrifier, fais chier. Bon, mais la miniature, j'ai le trouvé. Bon, qu'est-ce que tu veux dire? Je vous rejoindrai pour donner de l'énergie au masque. Vous êtes un bon allié. Ah, et un champion de la volonté de... Ah, c'est dommage qu'il se sacrifie. Ah, c'est si vraiment dommage. Vaincre la Dulon, nous ne pourrons le faire qu'ensemble. Levez le masque devant moi. Le moment est venu. Moi, la première chose, le premier mode que j'ai téléchargé dans Skyrim, c'est sauver Paturnax. Vraiment, hein. Première chose que je fais. Je regrette de ne pas pouvoir le sauver. Là, vraiment. C'est dommage. Bon, mais... Un petit peu de drama, attends, un petit peu de drama, reprenons le drama, où on en était, histoire de faire un moment générique. Y a pas un slash prey ou non, ça sera très bien. Il faudrait que j'arrive à faire un truc souple. C'est difficile avec mon tapis de souris. C'est pas excessivement souple, mais ça ira pour mon générique. Nickel! Bon, allez, fini le drama. J'ai fait au secours. T'es qui? On nous sommes derrière les étoiles. L'illusion du masque, rien de plus. Venez, allons voir ce qui se trouve derrière les dunes. Tu veux pas m'amener? Oh, enfoiré. Bon, il va peut-être rester en vie finalement. J'ai peut-être un espoir. Je sais pas. Merde, j'ai pas accès à mon monture, fais chier. Me balader. Je peux aller jusqu'où comme ça? Vraiment. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Aïe. Ah, mais fais chier. Je suis où? Je suis perdu, ça y est. Ça y est, je suis perdu. Attends, j'arrive. J'essaie d'explorer. Ah, le chemin, il est là. Et la map, ça donne quoi? Ah, d'accord, c'est juste un chemin en ligne droite. D'accord. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le Khajiit fait son sport. Oh, il est là. C'est qui ça? Bonjour. Oh mais il y a un sablier derrière. Vous n'êtes pas fait pour les excuses, Nafalar. Ben non. Vous êtes ici. Rien d'autre n'a d'importance. Un nouveau champion suit les traces de Jadari. Ouais, t'as vu? Nous pouvons encore l'emporter. Oh, je peux nager, trop bien. Oh ouais, ça fait une super miniature. Attends, moi je suis en train de... Oh, je suis un instant Kodak, moi. C'est fini. Ah, oh, c'est fini, c'est l'instant Kodak. Ah, oh, c'est l'instant Kodak. Oh, et le chat qui s'amuse dans la flotte. Ah, oh, c'est l'instant Kodak. Oh, c'est trop bien. Attends, moi, je suis vraiment sur l'instant Kodak. Allez, attends, là, il doit être suffisamment bien placé pour que je puisse faire ça. Si? Attends, si je peux faire ça, j'ai tout gagné. Ah, je suis dégoûté. Allez, allez. Eh, merde. T'en pousses un peu? Fais un peu de place. Fais de la place. Je peux pas. Ah, le jeu. Oh, la hitbox, c'est un cube. Oh, c'est Nafalar est un cube. Nafalar est un cube. D'accord. Bon, je retiens. Je retiens. Là, j'ai notre instant Kodak, là. Ouais, je... Attends. La corde en entier. Avance un peu. Encore un peu. Parfait. Putain, moi, je suis un instant Kodak. Je suis à fond. Là. Oh, je suis à fond. C'est joli en tout cas, c'est magnifique. Bonjour Jadari. Pauvre Rakajin.
Notre destin était d'arpenter ce sable, vous savez, pour rejoindre la fierté d'Alcoche. C'est un lien ? Mais l'avidité a développé son cœur comme une pluie. C'est vrai. Oui, je me rappelle. Et sapé toute sa chaleur. Ainsi est-ce vous qui le remplacez sur ce chemin ? Mais oui, en fait, il servait les dragons. Donc oui, oui, il servait. Non, mais c'est pas il sert. Rakajin est mort. Donc là, c'est servait les dragons. Je veux bien dire sert des dragons, hein, je veux bien. Mais il servait les dragons parce que je l'ai tué. Enfin, même si dans Tezo, il n'y a pas réellement de mort. Mais voilà. Les dragons, oui. Et quelque chose de bien pire aussi. L'Advulon, le démon de l'Est. Il ne suffisait pas de l'enfermer. Mais c'est vous toi. Devez réussir là où Jadar. Ah ben, il n'y a pas que moi qui me... Vous devez le bannir dans l'éternité. Qui me nomme à la troisième personne. Je le demande. Pas eu plaisir. Pourquoi il est si dangereux? C'est pas un dragon comme les autres? L'Advulon est le tourment du chaos. D'accord. Une ombre dans une peau écailleuse. Je m'en doutais un peu, mais bon. Il cherche à noyer le monde dans la peur, car telle oui, est la nature. C'est ce qu'il veut. Il ouvrira la voie à un autre. Une nouvelle lune emplie d'obscurité. Alors, la tapisserie du temps se délitera. Je veux vaincre l'Advulon, oui, parce que j'aimerais bien sauver la planète. Mais il faut pas que je sois trop motivé non plus. Parce que sinon, ça fait suicidaire. Et je sais que j'ai une protection en scénarium, mais quand même. Mais après, si tu peux me donner un petit coup de main, malgré ma protection en scénarium, comment je peux faire ? Alcoche observe les mortels d'un œil prudent. Il prête son pouvoir à ceux qui en sont dignes, oui. Mais seulement si nous recevons l'aide de ses enfants. Seul le pouvoir d'un dragon peut éveiller le masque. Vous avez l'air de vouloir agir. Mais en va-t-il de même pour Nafalar ? Peut-être que oui, mais j'espère ne pas crever. En tout cas, j'espère qu'on va pas être deux à crever, ce serait con. Ce serait très con. Mais j'ai quand même quelques questions. Bien sûr, porteur de masque. Je suis sûr que vous avez de nombreuses questions. Oh le lore, oui, ça fait plaisir. N'attendez pas trop de réponses, oui ? Oh si, j'en attends. J'attends ce qu'il faut, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. C'est quoi cet endroit, déjà ? Ce n'est pas un endroit, mais une histoire. Simple ? Ah non, c'est une histoire. S'en fout. Sera raconté encore et encore. C'est du sable. Nous des étoiles. Dans la tapisserie et au dehors. On est dans un univers parallèle. Dans ces fils, alors même que nous tentons de les démêler. Là, je le verrai pas comme le royaume d'Alcoche, sachant que chaque Daedra a son plan. Son plan, c'est une planète, en gros. Ça, en résumé, c'est ce que j'ai compris. Donc on n'est pas sur le royaume d'Alcoche. D'après ce qu'elle dit, on est dans un univers parallèle. On est dans une... Faut voir l'univers comme une grosse bulle. On est sur la petite bulle, à côté. C'est Alcoche qui tisse la tapisserie. Je le verrai comme ça. C'est Alcoche qui constitue les brins. Il se déroule depuis la pointe de sa queue. Lorsque le fil s'achèvera, il ne restera rien. Nous sommes tous présents dans sa tapisserie, marcheur. Nous sommes toujours dans le royaume du temps. Oui, donc on est dans un univers parallèle qui suit la même loi temporelle. Après, j'ai l'impression que tu te fous un peu de ma gueule, qu'il n'y a aucune réponse claire là dans ton truc. C'est peut-être pour cela qu'Alcoche a confié ses secrets au... Mais je suis Khajiit. Oui. Traîtresse. Donc, Jadari est une traîtresse, d'accord. Bon, au moins, est-ce que tu veux me parler de toi ? Je suis née sous les lunes éclipsées. Mais je ne devais jamais devenir grande crinière. Et lorsque j'ai écouté les lunes, elles m'ont chanté un air aussi doux que le sucre lune candy. Jusqu'au jour où leur chant a été remplacé par le battement régulier des tambours. Oui, c'est vrai que les Khajiit fument énormément. Moi, je suis le seul... Le Khajiit n'est le seul à pas trop fumer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scouma dans le jeu, c'est pas drôle. Et entendre des tambours, des lunes qui chantent, je sais qu'on est dans Tezo, mais quand même, battement régulier des tambours, qu'est-ce que c'est ? L'obscurité de leur cage avait souillé mon âme. Ah ! L'hématome violacé du vin renversé. Bon, ça va ! C'est rien, c'est que du vin. Je n'entendais plus que ces murmures terribles et magnifiques. Alors j'ai décidé de partir pour les sables derrière les étoiles. Avant d'être perdu à jamais. Attendez. Bientôt, je n'entendais. Futur, passé. Il n'y a pas un problème, là ? Ouais, si, il y a une couille. C'est pas français, ça. Je vois. C'est pas français. Il m'a emporté, non pas au-dessus des étoiles, mais dans l'obscurité qui saturait mon cœur. Fumer trop de sucre lune. On m'offrit deux présents.
dedans. Une lanterne pour guider et une épée pour protéger. Et toutes deux brillaient de la lumière. Attends, une lanterne pour guider, une épée pour protéger, d'accord. Et ensuite ? Vous avez traversé les salles de la haute couronne, n'est-ce pas ? Vous avez prouvé. Ouais, je l'ai déjà. Il est avec moi. J'ai dans la poche. J'ai vraiment dans la poche. Ces salles, elles reflètent le combat que j'ai mené au plus profond de mon cœur. Un combat que j'ai gagné. Et qu'avez-vous fait pour, après avoir remporté ce combat dans votre cœur ? J'ai reçu le masque d'Alkosh. Oh ! Et l'on m'a chargé de protéger sa tapisserie la plus sacrée. Oui, bah le temps. Protectrice du temps, d'accord. De tuer un démon qui veut détruire le temps tout entier. Mais ce devoir repose à présent sur vos épaules. Portez-le avec sagesse. Au revoir. En gros, c'est... elle se prend pour le docteur Wu. C'est ça. C'est bien ce que j'ai compris. Pendant ce temps, l'autre... je sais pas. Attends, est-ce que je peux sortir mon commerçant ? Ah ouais, fais-z. On est deux Khajiit. On est deux. Il sert à rien, mais on est deux. C'est classe. Par contre, la zone est magnifique. C'est vrai. Ah oui, putain, mais c'est vrai. Présentez-vous à lui, garde dragon. Ce devrait être réglé en quelques mots. Vous vous souvenez, Nafalar ? Des mots pour repriser la tapisserie ? Ah, mais je dois encore marcher dans l'eau. Pas de chier. Bon, ben, adieu, lézard. Bon, ben, j'espère que t'es prêt, mon poulet. Allez, courage, mon poulet, courage. Un roi dragon dans le ciel. Omaru Hanzo. Ce mortel est digne. Wavoki Kenti. Il réparera la trame. Attends, est-ce que je peux faire ça comme ça ? Le masque s'éveille. Partez. Maîtrisez la puissance d'Alkosh pour dompter le démon venu de l'Est. Comme cela devait toujours se passer. Il y a toujours le... La force ne fait plus qu'un, Akatous. Hein ? C'est cool. Allô ? Qui me parle ? Fais aise ? C'est toi qui me parle ? Mon ami, vous voulez vendre des marchandises honnêtes ? T'es un Khajiit, t'es vraiment honnête ? C'est parce que t'achètes beaucoup de choses quand même. Tiens, prends une dague. Hop, allez, viens. Viens mon Khajiit. Viens mon chaton. Viens mon poulet. Non, Saïsan, mais merde. Foiré. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont... Combien de temps on est parti ? Si on prend la loi de la relativité temporelle, on n'était pas dans la même dimension, on était excessivement loin. Donc normalement, quand on est excessivement loin, entre les lois de la gravité, etc., le temps ne s'écoule pas de la même manière. Donc on est parti réellement combien de temps ? Parce que si on est parti 2 semaines, c'est pas sûr que le monde soit encore en état. Ah, on est parti quand même assez longtemps ! Il n'y a plus une flamme. Ah, faut marcher. Saïsan d'abord. L'heure est enfin venue de vaincre la Dvulon une fois pour toutes. Aujourd'hui, l'un de nous deux mourra. Non mais putain, mais ils vont tuer combien de personnes ? Faites chier ! Non mais j'aime bien la moustache, enfin la barbe de Saïsan. Non mais je suis d'humeur gentille, ce soir je prends envie que des gens meurent, fais chier. Enfin la Dvulon, si, ça passe. Attends, est-ce que j'ai... Oh j'ai mon cheval. Oh j'ai mon cheval, c'est parfait. Oula. Les adeptes utilisent la pierre de Zéon pour renforcer la Dvulon. Non, vite, non. Non, je suis en scénarium, je m'en fous. Putain, il y a tellement d'instants Kodak à faire. C'est tellement... L'allure du cheval est tellement ridicule, tu sais, il y a l'autre qui court derrière. Ah, Nafalar. Ça va mon poulet ? Ah merde. Oula. Oula. Qu'est-ce qui m'arrive? Bon. Instant Kodak. Attends, instant Kodak. Vite. Allez, vite. Oui, mes conneries. Ah, je vais pas la finir cette vidéo. Oh, j'ai tellement de miniatures à faire. Attends. Instant Kodak. Parfait. Parfait, parfait. Je peux remettre... Ouais, j'ai mon cheval. Parfait, j'ai mon cheval. Ah, mais il va partir.
Oh, j'ai encore. Ça marche. Il passe. Oh, il passe sous les portes. Nickel. C'est un Kodak. Ou pas. C'est un... Ah, mais parfait, là. Parfait. Alors, je sais pas quelle miniature je vais prendre. Mais j'aurai du choix. Je vais vraiment sauter. Bon, ben j'espère que t'es prêt, mon poulet. Attends, est-ce que j'ai accès au... Attends. Taïo! Allez, au secours. Ah oui! Ah, c'est violent! Ah, c'est violent! C'est excessivement violent. Ah, c'est excessivement violent. Excusez-moi, monsieur, j'arrive. C'est excessivement violent. Oh, c'est très violent comme truc. Oh, c'est très fun. Là, sans Kodak, est-ce que ça irait pas mieux avec ça? Non. Saïsan, tu peux rester là-bas, s'il te plaît. Ah ouais, ça... Mais c'est Saïsan qui gâche tout le plan. Tu fais chier, Saïsan. Ah, c'est pas mal là aussi. Oh putain, il y a tellement d'instant Kodak, fais chier. Oh, il y a tellement d'instant Kodak, je suis trop dégoûté. Oui, je dois vous battre. Ouais, c'est bon. Bonjour. J'arrive. Non, mais allez-y, excitez-vous. Je sais pas où j'en suis au niveau de ma vie. Je me permets. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça, on est connaît. Oh, les pégus. Oui, les pégus. Oui, les pégus. Deux coups d'épée, tu les butes. C'est qui ça? Ça va? L'heure est enfin venue. Oui, d'accord. T'es qui, toi? Bonjour, madame. Oula! Oui, il est gros celui-là. C'est le masque d'Alcoche, il est excessivement violent. Ça parle derrière? Il est où? Il est où le lézard? Ah, pardon, excusez-moi, je vous avais pas vu. Je sais pas où j'en suis de la vie, mais il va falloir que je me garde quand même. Ah, au secours! Fais gaffe, Saïsan, fais gaffe. Moi, je suis atteint du masque d'Alcoche. Là, je pense que j'ai de quoi faire en miniature. Merci poteau, merci frérot. Ah, il vient me donner un coup de main. Ah, il est gentil. Ah, ça c'est beau. Gentil lézard. Bon, madame. Je peux faire quelque chose pour vous. C'est bon? Très bien. Je vous détruirai moi-même. Vas-y, essaye. Essaye, poulette. Essaye, ma poulette. Essaye, ma poulette, essaye. Je te fais confiance, tu vas essayer. Laisse-moi le tuer, par contre. L'heure est enfin venue de vaincre. Ah non, c'est pour ça que je voulais faire. Je peux pas la fouiller. Oh, je suis dégoûté. Elle avait rien sur elle. C'est où? Cheval. Ça va plus vite qu'à pied. Le cheval, tu sais, qui est au pas, mais qui est pas au trot, mais pas au pas, tu sais. C'est le cheval du flegme. Je vois comme ça. Les allures royales, c'est ça. C'est... D'ailleurs, attends, avant. Fais pas le con, Maurice, fais pas le con. 34,8, ça va.
C'est le cheval royal. Ça va ? Par contre là. Oh là, va falloir courir, il va falloir enlever. Hop, merde, hop. Je ne sais pas comment ces mortels ont pu vous ramener. Mais ils ne le feront pas une deuxième fois. Vous allez m'affronter. Oh, je vais être obligé de faire. Je peux pas enlever l'interface, un petit. Bon, ils se protègent, ça va. Ça va, non, ils vont bien. Ah, cette épée, c'est magnifique. Ah, ces combats, cette AOE, elle est magnifique. Bon, il va falloir que je puisse faire descendre, s'il te plaît, au lieu de me rendre sourd. Heureusement que j'ai baissé le son dans les derniers épisodes, par contre. C'est bon ? Vous n'avez plus de cadavres mobilisés, Nathulon ? Je n'ai besoin que de ma propre force pour vous vaincre. Oups, attends, je veux pas louper un truc. Ah ! Merde ! Alors, petit porteur de l'art. Hop là. Bon, ça va, il y a Sai qui est en dessous. Aïe. Je vais prendre un peu de vie de temps en temps. Bon, ça fout froid. Ça va Sai-san, tu gèles pas? Non mais ça va, rien à nous. Aïe. Oh ça, putain, mes niveaux vie, mais je prends rien. Ah. Merci mon poulet, merci. Par contre, tu me fuis un peu, enfoiré. Non mais barrez-vous, restez pas là. Oh c'est fumé. Il a encore des cadavres, mais où est-ce qu'il a trouvé? Je croyais qu'il en avait plus. Allez, deux sprites en haut. Ah oh, ça se fait. Hey, mais il peut plus bouger. Ça va, les poulets. Si, on peut gagner, si, t'as déjà plus de vie. Allez, ça va. Par contre, la duel nous a sorti un joli Procradine. Mais, au secours. C'est tellement chiant. Il est en train de me glacer tout le temps. Et heureusement que le son est à 75%. 75%, je pensais que le son était faible pour les records, mais je pense que là c'est bon. Ah merci, ça réchauffe. Merci mon poulet, tu réchauffes. C'est mon poulet. Oh la petite armée, c'est rigolo. Ça c'est fun, ouais. Attends. 2 secondes, je me change. Patiente un peu. J'avais oublié que je devais me changer. Apparence. Non, ça va, je vais bien. Ah, merci. Ça va les gars? Vous allez bien? Je vous change. Excuse-moi, j'arrive. Allez, pousse-rod, si tu veux. En fait, j'ai pas besoin de résister. Aïe. Mais il m'enlève pas de vie. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Il m'enlève pas de vie, machin. Je veux faire des combats de dragon comme ça tous les jours.
assez spectacle. Non mais tu pourrais patienter un peu toi. Bouge pas, bouge pas. Patiente, patiente, je maîtrise, je maîtrise, je maîtrise, je maîtrise, je maîtrise, je maîtrise, je maîtrise que dalle. Non, reviens, 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 saleté. Bon. Bon, je, l'interface, elle sert à rien. Oui. Là, je crains plus en fait, faut que ça se gaffe là par contre. Parce que l'Adulone, il sert à rien. L'Adulone. C'est comme le combat dans Elsewhere classique, dans le premier DLC d'Elsewhere, contre. Contre. Merde, comment il s'appelait l'autre dragon. C'est pareil, c'est le même principe de base. C'était en gros, c'est, ça servait à rien quoi. Tu suivais ton combat, tu suivais ton truc, ça se passait bien. C'était un combat scénarisé. Je suis même pas sûr de pouvoir mourir si je fais. Si je, de pouvoir mourir tout simplement. Par contre, je ferais bien de me prendre le parfait du fait, moi. Excusez-moi, hein, je vais prendre le parfait du fait. Super chaud, 100% d'XP. Ah mais merde. Excusez-moi, j'ai dit je prends un parcours d'XP. Merci. Allez, faut Cradine. Allez, Cradine. Allez, attends un petit peu. Vous savez que c'est pas agréable, mais... Aïe. Je suis devant toi. Ça va la choupette. Ça va la choupette. Aïe. Ça, j'arrive. J'arrive. Ça va, Nadjin. Tu tiens le coup avec ton bâton. Tu tiens le coup. Oh, ça va, la vie. Je dois aller bien. Je dois aller bien. Oh, il a décidé de prendre son temps l'autre là-bas, très bien, au contraire. On va détourner un petit peu l'attention des confrères. Attends un peu, attends, 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 j'ai presque fini. Bouge pas s'il te plaît, je t'en supplie. Non mais tu ne peux plus me laisser le finir. Ah bah ouais, on va le finir, on va le finir, on va le finir, on va le finir. Oui, on l'a fini. Bien joué. Non mais t'es pas obligé de le brûler. La Vulon est mort. Je vais m'assurer qu'il n'en reste rien. Cette victoire fut chèrement acquise, garde dragon. C'est pour récupérer le merdier. D'abord, je récupère le merdier. Prends l'eau qui braille. Qu'est-ce qu'il faut avec du dard, l'eau qui braille. Mais notre bataille n'est pas terminée. Comme ceux qui nous ont précédés, nous combattrons les dragons jusqu'à mettre un terme à leur existence. Non mais... Et pour tous ceux qui ont perdu la vie aujourd'hui, je dis cette prière. Puisse votre flamme être éternelle. Non mais, désolé mais, ça va Nafalar? Tu le prends pas mal? Je peux te parler? Je peux te parler? Non, me mange pas, je veux juste te parler. Bon, tant pis. Vous, je peux vous parler? Non, on peut parler à absolument personne. Ça va? Ça va les poulets? Non, bah non. Ah bah attends, mais là c'est l'occasion de faire un slash hammer. Si tu récupères une écaille, tu vois, un truc. Ouais, voilà, là c'est pas mal. Là c'est pas mal, là. Hammer. Ok, un peu. Ah, un peu trop, là. Ah, c'est pas mal, là. Hammer. Parfait, nouvel instant Kodak. Bon, ce sera pour un autre épisode, mais c'est pas mal. Allez, on peut se casser. Maintenant que j'ai récupéré une écaille de l'Advulon, je peux me barrer. Bon, toi, tu veux toujours pas me parler, tu fais toujours la gueule. Moi, je brille toujours autant, bon, ça change pas. C'est très bien, je brille. Ah, Sud d'Elsewhere, déjà. Ah, je suis content de mon épisode, là. Ah, j'ai fait de la merde tout le long, mais je suis content. Ah, je suis content. J'espère juste que j'ai bien record le jeu, ce serait con, ah ça va. Ce serait con que j'ai oublié de record le jeu. Je vais faire une pause, comme ça je suis sûr que ça passe, je vous dis à tout de suite. Ok, le retour. Parce que ça passe.
Que ça passe. Ça passe. Ça passe. Le truc s'affiche. Ah non, ça c'est le dernier. Ouais, ça va. Je dois aller où? Ah, je suis là. Ah mais non, je suis pas resté longtemps finalement. Dans l'autre monde, ça va? Je prends toujours feu. Oui, bah oui, pour le moment, ouais, je suis en vert. Taïo. Ah, je suis redevenu tout blanc. Ah oui, je suis un garde du dragon. Je suis un garde du dragon, mais je veux pas prendre le haut, en fait. Je vais rester comme ça. Je vais juste changer la monture. On va changer la monture pour que ça corresponde. Il faut une monture claire. Ah, mais les trucs de glace, j'ai pas envie. Ouais, bah si, allez, prends Senge. Allez, on est en S-Ware. Ça ira très bien. Qu'est-ce? Fin d'épisode. L'épisode n'est pas fini. Mais c'est la merde, là, c'est vrai. Mais encore un dragon. Bon, c'est pas le mien. C'est sûr. Je suis où? Où est-ce que je suis? Oh, je suis à Chai. Ah non, je vais pas y aller à pied. Ah non, j'y vais pas à pied, je vais aller à Senchal. Je vais me téléporter à Senchal, ce sera plus simple. Je vais prendre le bateau, s'il y est. Et on rentrera presque à pied. On le fait RP jusqu'au bout. Fait RP. RP, j'ai une épée, je tape sur un mec, il y a trois autres à côté, ça explose. Non, c'est pas RP. Enfin, c'est pas logique. Mais c'est classe. C'est classe. Ouais, par contre, je suis content de mes instants codec, moi. Voyons voir ce que ça donne en vraie miniature. Surtout que j'ai remis le plein écran. Donc ça devrait pas faire trop dégueulasse. Document. ESO. Il est où? ESO. Live. Screenshot. J'ai mes miniatures de Noël qui traînent. Oh, il y a tellement de merdier. Putain, c'est nom. Ah, ça donne. Il y en a qui donnent bien. Il y en a qui donnent bien. Bon, le port, il est où? On y va sans map. On dit que quelqu'un a infiltré la secte de la nouvelle lune. Oui, je sais, c'est moi, vous me faites chier maintenant. Eh bien, j'espère que les restes... Bon, c'est par où? Par où? Je vais faire le tour de la ville. Tant pis. C'est par là? S'il vous plaît, pour acheter à manger. Je peux donner un truc? Je peux lui donner une pièce? Une piécette. J'en ai 59 000, je pourrais lui donner une piécette. Oui, en fait, j'ai farmé un petit peu. Je suis à 67 000. Je pourrais lui en donner. Allez, 10 000. 10 000, je suis généreux, je lui donne. Ah ben voilà, il y a même le bon parfait. Qu'est-ce qu'il fout là d'ailleurs, le bon parfait? Qu'est-ce qu'il fout là, le bon parfait? Ça va faire mal, ça. Ça fait mal. Bon, mais il est là, profitant. Tu peux me ramener? Sidura. J'ai beaucoup de choses. Bon, tu dis toujours la même chose, tu sers à rien. Ou alors c'est moi qui me ramène. Je vais m'auto-ramener. Mais c'est tellement le klaxon du départ, tellement ridicule. Regarde celle-là, qu'est-ce qu'elle donne? Avec l'autre qui fait une prière derrière. Ah, c'est parfait. Tiens, il y a des jolies miniatures. Oh, j'ai des jolies miniatures. Allez, les instants Kodak. Par contre, les flèches sont chiantes. Les flèches des quêtes, elles sont excessivement chiantes. Ah, j'ai une autre selfie avec un autre dragon. C'est quoi cet effet de flou dégueulasse? Bon, il y en a des belles. Parlons avec l'équipage, voyons voir. Ah, ils ont changé de place, il y a la choupette là-bas. Donc il y a le poulet qui est là-haut, il y a la choupette qui est ici. Bonjour héros, vous avez le temps de discuter? Bah ouais, bien sûr, je suis là pour ça. Nous avons réussi. Enfin, Senchal est à l'abri de la menace que faisait peser l'Atvulon et l'Ordre de la Nouvelle Lune. Bien sûr, il reste des dragons. Bon, ça sera. Mais cela aussi, nous les vaincrons. Comme la garde du dragon des légendes. C'est la raison d'être de notre ordre. J'ai beaucoup réfléchi à notre ordre. Je me demande vraiment s'il va durer. Zadji et Casca clairement non. Peut-être et repartiront vers d'autres aventures. Oh, c'est pas... Une autre menace pourrait monopoliser Salsa. Tu les envoies buter 3 ou 4 dragons, je t'assure que ça va régler. Ça va régler tous les problèmes. Bon, mais ça t'inquiète peut-être. Un peu. Mais surtout... Oh la pauvre, la choupette. J'en suis venu à considérer la garde du dragon comme... Ah ouais, bah oui, moi je vais traîner par là, tu vois. Perdre tout cela si l'ordre se dissout. Faut que je farme, je vais traîner par ici. Nous n'avons plus de raison de combattre. Bon, il y aura toujours des dragons, ils apparaissent toutes les 5 minutes. Ce ne sont pas les raisons de combattre qui manquent, les dragons n'ont pas disparu en Elsewhere. Et surtout, ils sont immortels. Je sais, ce n'est pas le travail qui manque. Je m'inquiète bêtement. Oui.
Mais j'ai aussi le sentiment que notre combat n'est pas vraiment... Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est encore plus terrifiant. Il y a Skyrim qui arrive. Oui, oui, il y a vraiment Skyrim. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelle est cette nouvelle lune que la secte vénère? Comment l'Atvulon comptait-il régner sur Tamriel? C'est le prochain DLC qui arrive dans 11 jours pour moi. Et normalement, celui-là, je vais arriver à l'upload à temps. Oui, je parle en même temps qu'eux, j'ai aucun respect, je sais. Donc ça, Issa, est là. Allons-y, allons voir. Merde, mais y a pas, il devrait pas y avoir des quêtes par ici, les mecs, des quêtes. Vous auriez dû voir ce combat, mais des flammes et de la glace, Tadali. Des épées et des flèches. Oh, c'était spectaculaire. Je l'avoue, tuer des dragons, cela vaut mieux que de voler les cloches du temple. Oh, vous ne me le pardonnerez jamais. Merde. Oui. Ah, au secours. Est-ce que tu le pardonnes? Vous avez bien agi, porteur de masque. Vous avez vaincu le démon de l'Est et fait de mon fils un cagit très... Non, il n'est pas respectable, pas encore. Je ne saurais dire ce qui est... Une thérapie de 50 ans ne suffirait pas à le rendre respectable. Ton cagit est une raclure. Ah ouais, c'est un joueur. Ah merde, c'est un joueur. Moi je fais le con, mais il y a des joueurs. T'es qui toi? C'est là qu'on est censé vivre. Je croyais que la garde du dragon était un ordre digne. Pas du genre à dormir à côté des rats. Je peux le poignarder, s'il vous plaît. Je peux le poignarder. Apparemment, non. Bon, il y a les boucliers de Senchal qui sont là. Je regarde juste s'il y a d'autres pégus que j'ai sauvés, que j'ai aidés. Oh, est-ce qu'ils y sont, les deux cagites? Oh, les deux cagites voleurs, là. Est-ce qu'ils sont par là? Oh, faites qu'ils soient là, s'il vous plaît. Je les adore, ceux-là. Ils servent à rien, mais je les adore. Casca, bah elle est là. Non, il n'y a personne. Toi, elle est toujours là. Je croyais que c'était pas là qu'il devait y avoir des gens. Bon, Casca, tout va bien. Félicitations pour cette victoire. Elle est contente. Porteur de masque. Mais ne vous vantez pas trop. Oh, aucune chance. Zadji se vante assez pour deux. Oui, je suis d'accord. Et toi, comment tu vas? Je suis encore en vie et c'est déjà plus que prévu. C'est bien. Mais fais pas une dépression. Ah, ben voilà. Aya a protégé Sanchal. Zadji est devenu un héros. Saïsaan a mis un terme à une grande menace qui pesait sur Tamriel. Oh, elle est jalouse. Le puissant héros est au centre de... Mais tu me fais une... Tu vas pas me faire une crise de jalousie, toi, Casca? Je ne suis qu'une simple... Mais non. Il y avait un ennemi et je l'ai tué. Il n'y a pas de plus grande satisfaction. Mon seul regret est de ne pas avoir tué l'Advulon plus tôt. Beaucoup de mes frères et sœurs sont morts à cause de lui. Bon, ça va. Je pensais qu'après une plus grosse crise que ça. L'ordre de la Nouvelle Lune, elle a fait beaucoup de victimes. Hein. J'arrive plus à parler, moi. Putain, 4h43, mon dieu. Ils avaient trop peur pour combattre les dragons qui terrorisaient la région. Ils se sont donc alliés à des forces qu'ils ne comprenaient pas. Et cela a suscité de grandes souffrances. C'est la guerre, je ne l'oublierai pas. Bah on a vaincu l'Advulon et sa secte. Bah ils tueront plus. Et là va dire aussi... Mais il reste des dragons en doutait. Ah ça va, on a Nafalar, oui. On le garde. On l'adopte. Et je ne les laisserai pas faire. Que les lunes m'en soient témoins. Je les traquerai jusqu'au dernier. Dans la guerre du dragon, tu fous un dragon dedans qui a tué l'Advulon, qui était quand même un peuple costaud. Ça pète, hein. Ça peut aider. Ça peut éviter beaucoup de morts, je dirais. En parlant de morts, il est à la con. Taïo! Aïe. Je devais te parler. Je savais qu'on y arriverait. Je n'en ai jamais douté. Après tout, nous sommes la garde du dragon. Oui. Le fléau des dragons, où qu'il se terre. T'as servi à quelque chose, c'est très bien. Et t'as toujours été sûr de la victoire? Ben, j'admets qu'à certains moments, je m'en doutais. Mais c'est passé. Je ne m'en suis presque pas rendu compte. Oh, tu parles, tu nous as fait chier. Vous savez, enfin, marcheur... je crois. Non, rien. T'as quoi à dire? Allez, à boule les secrets. J'ai du dossier. Au risque de vous paraître brusque, je voulais simplement vous remercier de tout ce que vous avez fait. Mais il est peut-être respectable. Noir, c'était pour chercher l'aventure et la gloire.
Aussi achetais-je un beau navire pour assembler un équipage vaillant, mais... Mais j'ai des dossiers, je te rappelle. Mais l'aventure et la gloire sont difficiles à trouver. On ne croise pas souvent des annonces appelant de puissants héros à sauver le royaume. Enfin, vous en croisez peut-être, vous. Ce serait bien votre genre. Oui, oui, j'en ai qui me harcèlent dans les rues, ça je suis d'accord. Mais viens ça au fait. Sai Sahan avait donc raison de douter de Zaji et de son équipage. Nous étions des contrebandiers. Et vous avez fait le taf. Des vauriens qui tentaient de gagner de quoi survivre. Puis, vous êtes apparu et vous nous avez demandé de vous mener ici sur cette île. attends. On est apparu avec Sai Sahan, on est venu te demander de l'aide. Parce qu'il n'y avait personne d'autre, t'étais le seul, t'as eu un coup de peau d'être présent. Et donc cette demande, ton coup de bol, ça t'a permis de rejoindre la garde du dragon. Je te rappelle que t'es le seul à avoir voulu nous amener ici pour buter Nafalar. Et c'est grâce à toi qu'on a eu Nafalar avec nous, qui nous a aidé à buter Ladvulon. C'est grâce à... Je devrais pas lui dire. Finalement, je devrais pas lui dire en fait. J'ai une utilité que... Les Chantelunes raconteront notre histoire pendant plusieurs générations. Alors... Merci de m'avoir donné une chance de devenir le héros que je voulais devenir et de nous avoir emmenés avec vous pour cette incroyable aventure. Je viens de tilter que la machine là-haut, elle m'avait dit que... machine, je sais plus comment ça s'appelle. Elle m'avait dit de pas trop le vanter parce que sinon... enfin, de qu'il se vantait pour deux. Et moi, je lui dis que... Faut pas que ça m'arrive en vrai, ça. Sinon, c'est fini. Sinon, je vais avoir l'autre sur les bras pendant 8 ans. Ouais, c'est à la place de mon Kajit, c'était fini. Bien sûr, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Il reste ça va. Dragon à tuer. Il reste surtout un DLC. Et je vous jure qu'à partir de maintenant, les boucliers de Sunshall feront de leur mieux pour vous aider. Et vous allez faire quoi, les boucliers, là? Nous allons continuer de protéger Sunshall et ses habitants. Ah oui, c'est vrai que c'est Christophe Sunshall. Et faire de notre mieux pour maintenir l'ordre. Mmh. Mais mes projets vont plus loin. Un jour, les boucliers de Sunshall protégeront tout pays. Motivé, c'est bien. Derrière les murs de la ville. Et Aelia, allez-vous lui demander de vous rejoindre? J'aimerais que ma fille reste avec moi, mais ce ne serait pas sage. Elle a tant grandi depuis qu'elle est entrée à la garde du dragon. Sa place est ici. Je suis, on ne peut plus fier de la femme. Ah, il la prend plus pour une petite fille. C'est moignon. Oui, c'est moignon. Oui, il est moignon. Il est moignon. Bon, nous, on a quelque chose à faire. On doit aller voir si les autres ne se sont pas entretués. Ah, bonjour. Ah non, il est là. Exactement le guerrier à qui je voulais parler. Bon, la barbe, qu'est-ce que enfin, tu veux? Nous avons vaincu la bête noire. Ouais, aujourd'hui, c'est bien. Nous avons terminé le combat que la garde du dragon avait commencé il y a... Eh ben, il a été long. C'est un bon départ pour notre ordre, je trouve. J'ai l'impression que mon Kaji commence à avoir la même affection que moi pour Nafalar, parce que la première chose qu'il demande, c'est où il est. Il boude comme d'habitude. Ça va. Nafalar est peut-être un bon allié, mais il n'est toujours pas disposé à fréquenter de simples mortels. Il a dit qu'il désirait vous parler dès votre retour, cela dit. Dans ce cas, j'y vais tout de suite. Si quelqu'un aborde la question, prévenez Nafalar qu'il peut venir se remettre dans notre sanctuaire. C'est notre seul allié. La garde du dragon protège. Ah, il s'entretue pas, la bonne fin, fait plaisir. Comment vous sentez-vous après notre victoire? Bien plus confiant en notre garde du dragon, je l'admets. C'est pas mal. La fois que nous avons formé notre ordre, je ne voyais qu'une bande hétéroclite de contrebandiers sans expérience et naïfs. Ben, moi aussi. Mais après, il y avait la fille du général aussi. Ah oui, la jeune Aelia, comment l'oublier? Elle nous a armés. Je regarde autour de moi, je vois des soldats aguerris. Des guerriers qui étaient prêts à sacrifier leur vie pour protéger Elsewhere. Et si ce n'est pas ça l'esprit de la garde du dragon, je ne sais pas ce que c'est. Et vous, Capi-chef? Capitaine, oui, j'imagine que c'est bien ce que je suis. Bah oui, t'es Capi-chef. Cela faisait longtemps que je n'avais pas occupé ce grade. Bah... Je n'avais pas rempli mon devoir. J'ai laissé mon empereur mourir et vu notre empire tomber aux mains des Dédras. Bah, on n'est plus dans le passé. Tu viens de participer au sauvetage de tout Elsewhere. Ça va, fais pas la gueule. T'es capi-chef, même si c'est pas officiel. Tu leur donnes ton CV, tu seras vite capi-chef. Et maintenant, capi-chef. Et maintenant, j'ai à nouveau l'occasion de tout arranger. Voilà, non mais c'est fait. Pas dans l'Empire, peut-être. Mais ici, à un endroit où la garde du dragon est nécessaire. Et je compte aussi sur votre aide. Sincèrement, c'est avec grand plaisir.
Ça va être grand plaisir, surtout qu'on a un allié sympa en haut, donc grand plaisir. Par contre, est-ce que je vais pouvoir aller faire un tour sur le dos du Dradra? Oh, ça serait bien, ça. Si je peux lui demander, je lui demande, je vous préviens. Je vous préviens, je suis con jusqu'au bout. Ah, moi, je suis con jusqu'au bout. Et là, ce soir, je suis motivé pour être très con. Ah, mon lézard, comment ça va? Ça va, tu te sens bien? J'étais persuadé que j'allais te sacrifier. Mais bon, je vois bien. Ce fut un excellent combat. Je suis en face de toi, par contre. Votre puissance nous a aidé à sceller le destin de l'Advulon. Il ne reviendra jamais m'affronter. Eh bien, elle a reçu longue pour la vaincre. Tout à fait. Et nos ennemis ont semé notre parcours d'embûches. Mais... L'Advulon a tué Yagrondu avant qu'il n'intègre notre alliance. Et son cadavre s'est retourné. Encore plus dommage. Nous. La secte a détruit Rochefière pour tenter d'acquérir le masque d'Alkosh. Et mais on était là juste avant et on a réussi à arrêter Rakajin avant qu'il n'obtienne le masque. Même si ça t'as vu, je t'ai intégré. Je t'ai intégré dedans, ça la va. La salle de la haute crinière présente des défis que peu osent relever. Oh, ça va. Mais vous les avez il y avait trois cailloux à bouger. Que vous étiez attends, sincèrement, il y aurait trois cailloux à bouger. Rares sont les mortels qui peuvent en dire autant. Non, moi j'ai vraiment l'impression de me vanter, ça me plaît pas du tout. Sachant que j'ai bougé trois cailloux, j'ai brandi un masque. Bon, c'est, sincèrement, le Dradra il en a fait plus et les autres aussi. Moi j'ai rien foutu. J'ai tendu un masque, j'ai aspiré la puissance du dragon, j'ai foutu le masque sur ma gueule, je suis devenu mystique. Bon, en tout cas, j'ai utilisé le masque pour vaincre la Dulon, ça c'est sûr, mais bon, n'importe qui aurait pu le faire pour bouger trois cailloux, vous ça vous étiez digne du masque d'Alkosh. Bon, apparemment. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il vous garantit. Ah non, ça c'est sûr. Son pouvoir n'a été éveillé que par notre lien avec mon départ. Ah non, reste. Non. Simple masque. Non, au départ, mais non, mais vous nous quittez? Pas tout de suite. Ah. Nous avons vaincu la Dulon. Ça me plaît, ça. Mais je sens un autre pouvoir qui menace elle-même. Ah, maraudeur, pardon, simplement. Une ombre qui menace l'ordre établi par mon père. Lorsque cool, vous devrez lui faire face, quoi, je vous aiderai. Je vous le promets. Le prochain, mais elle sait. Gardez ce masque. Il vous va bien. Merci. Ça, c'est le prochain DLC. Cool. On va voir encore le lézard. Trop bien. La serre de Nafalar. Oh, je la garde, celle-là. Merci. Merci, mon lézard. 48, 49. Ah, je suis content. 116 cas d'XP. Ouais. Qu'est-ce que... Pas fini? Apparemment, je suis pas fini. Mettons le masque, tout de suite. Masque d'Alkosh. C'est dégueulasse. Mais ça ira. J'avais un costume qui était de la bonne couleur, je crois. Parfait. Nickel. Bon, j'ai mon lézard, j'ai mon barbu. Mon ami, vous arrivez à point nommé. Je préfère accueillir mon vieux compagnon avec un allié de confiance à mon côté. Un vieux compagnon? Attends, on s'est quitté il y a 30 secondes. Abner Tarn. D'après ça, non, je travaille pas avec lui. Ensemble. Il a beaucoup d'estime pour vous. Je vous demanderai c'est sûr comment vous avez fait, mais nous n'avons pas le temps. J'ai rattrapé sa bourde. Le serpent affirme que nous avons des choses à nous dire. Et il amène une amie. Attends, c'est pas le prologue. J'espère que j'entends pas le prologue. Des choses à dire, quel ami? Il n'a rien dit de plus. Il parle simplement d'une menace envers le sud d'Elsewhere. Entre la lettre cryptique de Tarn et l'humeur de Nafalar, je suis perplexe. J'ai pas fini? Allez parler à Nafalar. Découvrez ce qui le dérange pendant que je me prépare pour Tarn. Bon courage. Moi, ça va aller. Je parle à un dragon. Ça va. Toi, bonne chance. Paix à ton âme. Merci d'avoir parlé avec Nafalar. Le dragon sent à quel point la lettre c'est de Tarn me déstabilise. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire une connerie, je crois. Sa propre angoisse. De mon côté, je dois faire un effort. On verra bien. Pas sauter à la gorge dans la vidéo. De ce vieux mage de bataille dès qu'il arrivera. Oh, je peux juste sauter à la gorge. Je vais rejoindre la confrérie noire pour faire ça un jour. Pour de vrai en plus. Si vous n'avez pas vu mes épisodes précédents, le but pour moi de la confrérie noire, c'était pour un jour, si jamais le jeu le permettait, planter une dague dans le dos d'Abner Tarn. Si lui le fait, je t'assure que je... S'il me le propose, tuer Abner Tarn. Ah là, j'y vais tout de suite. Tout de suite. En tout cas, lui et Abner sont peut-être pas dans les meilleurs termes. Qu'est-ce que t'en penses, mon poulet? Abner Tarn est méprisant. Oui, bah oui, ça j'ai vu. C'est pour ça que je veux le tuer. Et c'est une véritable plaie. Ah oui, je suis d'accord. Et je ne vous parle que de ses qualités. Pourtant, j'ai un grand respect pour lui. En cas de conflit,
Il est toujours oui, enfin, ça je suis du même avis. C'est-à-dire que le mec, il est quand même badass comme mage. Mais il est quand même balai. C'est lui qui a foutu la merde dans tout Elsewhere. C'est lui qui a libéré les dragons. Comment tu l'as connu? Nous avons servi ensemble dans les cinq compagnons pour aider l'empereur Aquilarios à reprendre l'amulette des rois. Cette époque me laisse des sentiments mitigés. Nous avons échangé des courriers récemment. Je l'ai informé de l'existence de la garde du dragon et de Nafala. Ah, mauvaise idée. Vous savez de qui il veut nous parler? Sa lettre indiquait une menace contre le sud. Ouais, apparemment je crois que c'est le père de Nafala. Plus d'informations. J'imagine qu'il veut nous l'annoncer en personne. C'est prudent mais frustrant. Oui, je comprends aussi. Après tout, il y a des détails qu'il ne faut jamais coucher sur papier. Et donc tu dis que Nafalar est bizarre. Qu'est-ce que t'entends par là? Il fait les 100 pas. Il grommelle. Non mais comme d'habitude. Il refuse de parler, sinon par ennemi. C'est un dragon. Et il ne fait qu'empirer depuis que la lettre de Tarn est arrivée et m'a mis dans cet état. Nous savons tous les deux que quelque chose de terrible se prépare. Mais nous ignorons de quoi il s'agit. Non mais les mecs... Vous êtes pas bizarre. Vous avez le même caractère que depuis le début. J'ai rien à dire. Sud del Sol, non ça va, ça va. Je croyais que je m'attendais à une quête spéciale. Non ça va. Je peux. Nafalar. Allô. Nafalar. Attends, je vais monter avec toi. Tu me laisses monter? Merde, je peux pas. Je peux te parler? Je peux te parler? Ou des caisses? Tant pis, il peut pas me parler. Ah par contre si, avant d'ouvrir une caisse très 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 important. C'est laquelle la moins bonne? 1084, 1120. Allez hop, ça dégage, merci. Celle-là je vais la garder, je vais même l'améliorer je pense. Je jouerai pas, tant pis, je jouerai pas du maraudeur, mais celle-là elle me plaît. 837 de dégâts magiques, 390 de santé. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal, là je suis bien là. Bon, Nafalar. Non, toujours pas. Ouvre des caisses. J'en ai quelques-unes à ouvrir. Allez, chaton, à boule les caisses. Fais-moi plaisir, mon chaton. Bon, histoire de faire croire que je ne suis pas déçu, on va changer de point de vue. Voyons si ça marche. Et si tout est intégré. Ah bon, dommage. Tac, tac, tac. Halt. Ouvre la caisse. Allez chaton, à boule les cartes. Fais-moi plaisir. J'ai dit fais-moi plaisir. À boule les cartes. Allez, sois pas salaud. Il est salaud. Et merde, je l'ai acheté hier. Je l'ai acheté dans l'épisode précédent. Je sais même pas, est-ce que je peux vraiment obtenir des trucs qui manquent? Je crois qu'il y a une ou deux montures qui me manquent. Légendaire, il m'en manque je crois. Oh une biche. Oh j'ai un fan. Moi j'ai Bambi. Ah et ça c'est cool ça. Ça je suis content. Est-ce qu'il veut me parler l'autre maintenant? Parce qu'il arrête de faire la gueule. Ah la carte. Ouh. Une triplette. Ça c'est la bleue je crois. Que j'ai déjà. Un par chaud d'XP. Et un cadouel de neige. C'est quoi? Memento. J'ai un cadouel de neige. Attends faut que j'essaye le cadouel de neige. Memento c'est où? Non, pas le champion. Voilà c'est là. Memento. Cadouel de neige. Ah j'ai une cadouelle de neige. Oh il est mignon. Oh il est mignon le cadouelle de neige. Trop bien. Bon Nafalar tu fais la gueule ou pas? Fais la gueule. Bon bah ouvre des caisses avec cadouelle de neige. Merde il a disparu. Bon Nafalar fait la gueule apparemment. On va bien voir, on va continuer. Oh ça c'est cool ça. Charge de monture, nice. J'emporte deux autres trucs, c'est cool. La tour... C'est quoi ça? Familier pacifique? Ouais, bah, je l'utilise même pas. Allez, allez mon chaton! Bon, il y a beaucoup de merdier. Il y a beaucoup de merde, ça on est d'accord. Bon, j'en garde 10 pour le prochain épisode, si j'en tourne un, hein, on verra bien. Parce que là, clairement, je sais... Ah, ça c'est cool ça. Clairement, je pense pas que je vais retourner de Tezo avant un moment, avant en tout cas 10 jours, une dizaine de jours. Avant le prologue, quoi. Ah, et on finit bien. Et on finit bien. Dommage. Bon, Nafalar. T'as fini de faire la gueule? Bon. Apparemment, fais la gueule. Fais la gueule, Maurice.
Fais la gueule, fais la gueule. Qu'est-ce que je devais faire? Ah oui, je sais plus. Ah oui, si, c'est ça. Au revoir, c'est ça, pardon. Oui, au revoir, mon ami. Bah, de toute façon, il n'y en a que deux dans le jeu qui me parlent bien. J'avais pas regardé, j'avais pas vu le fan. Il va me bouffer le machin. Vous avez vu la gueule du truc? Il fait peur, le machin. Non, mais tu fais peur. Tu fais peur. Je vais devoir rentrer et sortir. Hein. Je vais devoir charger la salle. T'es qui, toi? Ah, c'est un joueur. Oh, putain, il m'a fait peur. Ah, voilà. Fini de faire la gueule. Le barbu parle comme si je n'étais pas perché à distance d'attaque, ni capable d'entendre la moindre de ses syllabes. Oh, je t'adore. Je pourrais trouver son orgueil amusant sous un autre jour. Mais le jour touche à sa fin et l'obscurité approche. Moi, je me marre, mais l'autre, il rentre en dépression. L'obscurité? Oui, bah, c'est vrai que tu parles en énigme, mais bon, tu peux pas être un peu plus clair, s'il te plaît? Ce n'est une énigme que si l'on manque de perspective. Oui, je manque bobo, j'ai pas beaucoup de perspective ce soir. Eh, hey, ça fait 3 heures que je tourne. Une présence ancienne et puissante a sa émissence, mais le chemin à suivre reste trouble. Je sens l'obscurité. Peut-être une absence de lumière. C'est un peu le principe. Cela met mes écailles en émoi. Comment c'est possible? Ton sentiment, c'est peut-être lié à la lettre que la barbe a reçue. Mon sentiment m'appartient. Oui, mais c'est lié. Oh, fais pas chier. Démangeaison derrière ma corne brisée lorsque cet idiot de mage de bataille a ouvert les salles. Oh, personne ne l'aime. Oh, ça va mal finir. Tempête noire tout autour de moi. Ah, ça va mal finir. C'est très déplaisant. Les nouveaux venus pourront peut-être nous éclairer. Donc, petit rappel de l'histoire, Elsewhere a commencé dans le prologue que j'ai vu en live, je ne l'ai pas tourné puisque je n'ai pas eu accès, j'ai acheté le DLC après la sortie d'Elsewhere, donc j'ai spawn dans Elsewhere, ce qui fait que j'ai pas eu accès au prologue du jeu. Enfin, j'y ai peut-être accès mais j'ai pas cherché. Et donc dans le prologue, on jouait avec Saïsan, Abnurtarn, qui nous demandait d'aller récupérer la tablette, les deux morceaux, on récupérait les deux morceaux de la tablette, on les rassemblait. Et on les rassemblait avec lui dans la salle du Colosse. Dans la salle du Colosse, c'était l'endroit où il fallait pas le faire. Il y avait Camira, je crois, en plus, qui était présente. Et au moment où Nunur assemble la tablette, ça fout la merde. Ça ouvre la porte, tous les dragons sont libérés. Donc le merdier, tous les morts qu'il y a eu en Elsewhere, nord et sud, tous les morts qu'il y a eu dans les autres régions avec les dragons qui sont un peu éparpillés, la panique totale, les bordels politiques, les assassinats, les sectes et le merdier, c'est de la faute à Nunur. Par contre, tu parles de nouveaux venus, t'as vu un truc que j'ai pas vu? Allô? Non, c'est un joueur, ça. Cadwell? Il y a Cadwell? C'est Cadwell? Cadwell? T'es là? Ah, Camira! J'ai la tête qui tape comme un tambour orc. Ça fait longtemps. On s'habitue. Et c'était la meilleure. Abnurtarn. Je peux. Ah, je peux. Je peux le tuer. Je peux le tuer. Nous avons un plus gros problème sur les bras. Bon, Camira. Oh non, on va se débarrasser de lieutenant du camp d'abord. Je vois que l'on a suivi mes instructions à la lettre. Le champion d'Ankina, Saïsan, et le dragon Nafalar, réunis au même endroit, et j'amène Camira. Nous avons beaucoup à nous dire. Cela concerne Kaal Grontin. Mais il est de retour? Attends, c'est son père à l'autre? Non mais il a une famille de merde, le pauvre. Attends, son père c'est Kaal Grontin, qui a essayé de bouffer les lunes. Son frère c'est l'autre nécromancien qui tue ses frères. Au bout d'un moment, Nafalar, psychothérapie. On s'en était pas occupé dans le cœur de Jod. Kaal Grontin avait absorbé une ouais, ça je sais. De l'énergie du cœur avant que nous ne l'arrêtions. J'espérais qu'il serait perdu dans le vide, mais comme nous, il a pu... Ah, t'as encore foutu la merde. Je le cherche. Et tu l'as trouvé? Mieux que cela. J'ai compris ce... Non, c'est pas mieux. Kaal Grontin se vantait de devenir l'égal d'Alkosh.
et vos rencontres avec l'Advulon et la secte de la Nouvelle Lune suggèrent qu'il se prépare à une ascension. Ah, il me fait chier, Abnur. Il me fait chier. Qu'est-ce que tu peux en déduire ? C'est pourtant évident. Cal Grantid compte devenir un dieu. Il y a une île au large, la Bastide du Dragon. Dans les légendes de Kunzari, c'était le trône des dragons. Je ne peux pas ouvrir un portail pour nous y rendre. Je ne peux même pas l'observer par magie. Elle est trop protégée. Ben, on a un bateau, mais bon, est-ce que ça va marcher ? Comment on s'y rend ? Vous avez affronté la secte de la Nouvelle Lune. Les adeptes vénèrent Kal. Putain, mais c'est pas fini. Je croyais que j'avais fini le jeu. Base, la forteresse de la Nouvelle Lune nous donnera toutes les réponses nécessaires. Casca et moi avons vu un hôtel entouré d'une étrange pierre verte. C'est sans doute un bon point de départ. Une pierre verte étrange ? Est-ce que ça ressemble à ce que vous cherchez, Tarn ? Tout à fait. Depuis que j'ai lu vos rapports à ce sujet, je voulais l'examiner. Camira, pourriez-vous... Merde ! Plus de portail, Tarn. Pas pour le moment. Ah, je voulais du... J'ai d'autres responsabilités que votre transport. Ah, j'ai oublié du... J'ai pas vu que c'était étape optionnelle, je suis dégoûté. Ça y est, allons discuter. Nous retrouverons notre ami à la forteresse. Non, je parle d'abord à Camira. Non négociable. Je crois que je vais vous laisser inspecter la forteresse de... Ah, je suis dégoûté. J'aimerais en apprendre davantage sur la situation de Pellitine auprès de vos compagnons. Ils sont autochtones. T'es autochtone du Nord, toi. Non, mais... vous... Vieillard et gris. Mais putain, mais tout le monde... Mais ça va finir en meurtre. C'est le meurtre de César sur lui, sans déconner. Ils vont tous vouloir le buter. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et le lézard qui s'est... Cal Grantid. Un nom sorti du passé que j'espérais ne plus jamais entendre. Autrefois, l'Advulon hantait mes rêves. Mais l'ombre de son maître fait trembler le moignon de ma corne. Pareil, moignon, t'exagères. J'espère que vos compagnons et vous serez à la hauteur, porteur de masque. Non, mais là, ce que tu dis, ça veut dire que tu seras pas là. Mais bon, c'est pas grave. Allons-y. Je suis dégoûté d'avoir oublié de parler à Camira. Je pensais vraiment que c'était le... J'avais pas vu, peut-être, secondaire. Oh, j'ai une gueule de con avec ce masque, c'est terrible. L'autre lézard, il me dit que ça me va, mais j'ai une gueule de con. Elle est où ? Mon chaton, t'es où ? Où il est, mon chaton ? Chaton ? Merde, elle est en haut. Oh, le fan, non, par contre, là, c'est trop. Là, le fan, je suis désolé, mais... familier pacifique, dégage. Non, j'ai dit va-t'en. Ben, prends un chat. Prends un chat, oreille pointue fourchue, à 4 oreilles. Elle est là ? Elle est en haut, d'accord. Putain, t'aurais pas pu te planquer ailleurs, toi ? Non, mais gna. Ah bah oui, elle est à la cuisine, c'est vrai. C'est vrai, c'est un chat. Bon, qu'est-ce que t'en penses ? Vous ne savez pas qu'interrompre une pièce, ça peut donner des maladies de fourrure ? Pardon, Casca, en fait, la forteresse de la Nouvelle Lune, rappelez-moi ce... Non. Vous voulez dire hormis les adeptes qui faisaient de leur mieux pour nous étriper ? Attendez. Vous voulez y retourner ? Au nom des deux lunes, qu'est-ce qui justifie de retourner dans un endroit aussi horrible ? Non. Maintenant que vous le dites, j'en ai entendu plusieurs parler d'envoyer la pierre verte sur une île. Et il sacrifiait clairement quelque chose sur l'autel de la... Oui, j'ai vu. Faut passer qu'il y a un portail dans la fille. Je ne suis pas mage. Je ne saurais pas faire la différence entre un portail et un trou dans le sol. Ah, si, quand même. Mais c'est là qu'ils rassemblaient la pierre verte. Je crois qu'ils appelaient ça de la pierre des éons. S'ils ont un moyen de transport pour la pierre, il doit se trouver dans l'amphithéâtre. C'est là que j'irai chercher, moi. Merci du conseil, désolé d'avoir interrompu ta sieste, tu retrouves pour ça en plus. Je pensais vraiment qu'il y aurait un dialogue utile. Si vous avez besoin d'aide, venez me chercher, après ma sieste. D'accord. T'as vu Zadji et Aelia récemment ? J'ai entendu Aelia parler d'une réunion avec la reine d'Ankina. Non, pas du tout. Doit être une sorte de... Non. Quant au capitaine, il est parti s'occuper de sa commande spéciale. Un tonnelet de brandy de prune. Du bon. Je pense qu'il est déjà en train de l'écluser. Voyons où ils sont. D'ailleurs, juste par curiosité, et après on s'arrêtera là, parce que moi il faut que je me repose aussi. Et il est 5h du mat déjà. Et il faut encore que je tourne du
du jeu débile là. Merde, comment ça s'appelle? Je sais plus, au secours. Mais, c'est vraiment une réunion ou qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est vrai, attends. C'est une vraie réunion ou pas du tout? Ça va aller? Je crois que je vais vous laisser inspecter la forteresse. Ce qu'elle dirait, elle est en mauvais état. Non, mais il n'y a rien du tout en fait. Rien du tout, c'est pas du tout une réunion, c'est l'arnaque. Et là, comment ils l'ont appelé la pièce? Regardez. Chambre de Nafal. De Nagalar? Oh, la faute d'orthographe! Oh, Bugtejda! C'est pas Nagalar, c'est Nafalar. C'est la chambre de Nagalar. Je crois que je vais l'appeler comme ça ma vidéo. Je crois qu'il y aura Nagalar dans le nom. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Il y aura Nagalar, soit dans la miniature, soit quelque part. Il y aura Nagalar quelque part, ça c'est sûr. Je peux pas ouvrir cette merde. Je suis un coup d'épée, ça s'ouvre. Bon. Allez, à la forteresse de la... Putain, j'ai pas fini, fais chier. Je croyais que vraiment, j'étais persuadé que j'avais fini. Bonjour madame. D'accord, bonjour. Bonjour à toi aussi. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait bah, prochain épisode. Et heureusement que j'ai gardé 10 caisses. Et heureusement que j'ai plein de miniatures. Bon, bah, c'est parfait. Bonjour. Je viens de piquer ton bateau, quand même, comme d'habitude. Par contre, sérieusement, j'ai vraiment l'impression... Il y a vraiment un problème de perspective avec ce bateau. En plus, mon jeu commence à surlaguer. Ah, merde. Parce que le fond, je vois pas la profondeur du... la profondeur de la flotte. Parce que c'est vrai que ça doit être hyper chaud de sortir de là. Vu comme ils sont encastrés. Moi, j'aurais pas mis le bateau là, j'aurais mis un peu plus loin. Mais bon. Ça va, toi? Salutations. Salutations à toi aussi. Ça médite et ça picole. Très bien. J'aimerais bien monter sur la proue. Faire figure de proue avant de partir. Ce sera parfait. Ce sera parfait pour finir. Putain, notre Zajin, il s'installe bien. Eh, au pire des cas, j'ai mon installation. Parfait. Passe, ça passe, ça passe, ça passe, et ça passe. Je suis une figure de proue, mais de proue de très loin. Bon, ben c'est parfait, un endroit parfait pour finir l'épisode. Et on peut même se changer et faire un petit plongeon. Ah non, oh putain, mais j'ai oublié ça. Ou alors je le garde pour le prochain épisode. Parce que oui, j'ai obtenu la plaque, j'avais oublié. Ben, ce sera un bonus pour ceux qui sont encore là, tiens. Scène dorée, c'est quoi ça? Ah bah très bien. Bah très bien, très très bien. Bon, allons, on appelle dans la maison. Voilà, salle du champion linéaire. Allons-y. Allons voir notre nouvelle pièce. Et on s'arrêtera là. Bonus pour ceux qui sont encore là. Putain, ce jeu, je m'attendais pas à tourner du 6h sur tes os en 2 épisodes. Je vais jamais arriver à monter ça. Ça va être l'enfer. Avec mon logiciel de montage foireux, j'adore DaVinci Resolve, clairement. Il y a tellement de possibilités avec, mais bon, je sais pas de l'utiliser déjà. J'en connais que 5% sur la version gratuite. Et aussi un avantage par rapport à Adobe Premium, machin, c'est que le jeu, tu le payes... Enfin, le truc, tu le payes une fois, tu l'as une fois. Enfin, tu l'as à vie, quoi. L'hôtel de la ruse ou l'hôtel de l'ambition. Tablette lunaire. L'ambition dans la salle du champion lunaire pour débloquer le portail vers la demeure où Kunzari a grandi. Oh, intéressant. Remis pour avoir un gardien. Donc là, il va falloir que je zoome par contre. Et elle est bien mise, nickel. Le berceau du lion, voyons à quoi ça ressemble. C'est pas meublé, mais on s'en fout. Clairement, j'ai pas de meubles. Oh, c'est joli. Putain, c'est joli tout plein ici. Faudrait que je mette des arbres. Il va falloir que je mette des arbres ici. Et à l'intérieur.
que j'ai pas des meubles qui traînent. Des cailloux. Je vais pas mettre une merde d'Hydric là-dedans. C'est joli tout plein ici. Il y a tellement de potentiel. Là, ah ouais, là si j'arrive à fermer ici, je peux y mettre des bestioles. Je peux y mettre, par exemple, là, ce serait pas mal. Ce serait pas mal de mettre des montures que j'utiliserai pas. Donc des chevaux, on va mettre un cheval. Enfin, de toute façon, je pourrais les réutiliser. On va mettre un cheval alzan. On peut en mettre un deuxième, un cheval à crinière blanche. On va les aligner pour l'instant. Il y a un petit troisième pour la route. Merde. Et un cheval de Wemmer, parce que ça n'a absolument aucun rapport et qu'on est dans tes os. Voilà, voilà, tu fais un petit enclos là. Tu fais une petite pièce pour les chevaux. C'est bon, j'en ai mis aucun dans la barrière, ça. C'est à peu près au même niveau. Ouais, c'est bon. Après, il faut trouver des meubles. Faut trouver des barrières, quoi. Mais bon, c'est pas gagné. Pas gagné. J'ai pas du tout de quoi crafter des meubles. Ça, c'est certain. J'en ferai. J'en trouverai. J'en achèterai. J'achèterai du merdier. Ça, c'est sûr. Et ce sera pour une prochaine fois. Bon, on a une jolie petite pièce. On a une pièce supplémentaire. Putain, mais j'ai pas beaucoup de meubles. C'est une catastrophe. Ou alors, faudrait que je dégage tous les meubles que j'ai ici. Que je les amène là-bas. Parce que c'est vrai que là c'est grand, là je peux pas en faire grand chose pour l'instant. Eh ben j'ai préparé ça en off. Donc les gens, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Pouce bleu, commentaire et abonnement pour plus de Tezo. Enfin pour la fin d'histoire. J'espère. Avec notre lézard préféré. On va voir ce que ça donne. Surtout que maintenant j'ai une belle gueule de con, c'est parfait. Et donc à la prochaine, ça y est, c'est l'heure.